Bonsoir à tous. Donc bonsoir Carmen, bonsoir Jean-Joseph, bonsoir Bernard. Bernard, tu n'as pas de caméra bon, Enfin en je tout cas, marcher, si, nouvelle... tu, si tu nous vois déjà, c'est le principal parce que ce vous inquiétez pas, est... je ne sais pas comment activer la caméra. Ok, ce qui compte, c'est ce qu'on va montrer à l'écran surtout et que tu puisses intervenir en direct. Donc si tu si tu nous vois et que tu as au moins le... la possibilité de, de parler, c'est vraiment le principal. Quand ok, bon. Il y a une icône avec une, avec une caméra et une petite flèche à droite. Et quand on clique dessus, il y a un menu et puis on peut choisir la caméra. Je ne sais pas si, si ça peut aider. Tu as entendu Bernard ce qu'a dit Jean-José Non, j'ai un peu de chute. Ce qu'il te dit, c'est qu'en bas à gauche ou en bas à droite, non, moi, pour moi c'est en bas à gauche, il y a un, un bouton qui s'appelle arrêter la vidéo ou démarrer la vidéo avec une flèche, un petit triangle à côté, un petit chevron. Donc euh, c'est peut-être ça aussi, peut-être qu'en cliquant oh, dessus... Il ou... vidéo, oui, je le vois, oui. Voilà. A vidéos, tu vois. Maintenant, si tu as un problème de webcam, euh, si, ta, si ta webcam n'est pas branchée ou si elle est défectueuse, évidemment, on ne verra rien, mais... Caméra. Non, rien. Bon. Ok, on, essaie, on attend les autres. On... J'aurais aimé qu'on commence à l'heure, mais bon... Comme c'est la première fois pour, pour la plupart de, de, de se connecter, Peut-être que. Euh, bon, il faut peut-être un petit, un petit peu de temps. Bonsoir Guy. Allez, on attend encore 5 minutes et puis on, puis on démarre. Bon, je n'ai pas énormément de choses à vous dire, mais. Euh, salut Bertrand. Je, salut, j'essaye de, de. Tiens, Carmen, si tu veux bien régler un peu ta caméra parce qu'on te voit un peu. Euh, voilà. Oui, toute petite. Voilà, exactement. Comme ça euh, Je pense que. Vas-y, assieds-toi je pense que ça va être bon. Très bien. Je suis assise, euh, hein? Bah alors, oui, bah maintenant, on, on te voit un peu comme ça, mais. Euh, non, c'est trop Je n'arrive pas à. Oui, non, là, non oui, parfait, très à, bien, bravo. À démarrer ma caméra vidéo. Il me dit, veuillez sélectionner une autre caméra. Je regarderai ça plus tard. Bon, c'est pas très grave, ça de toute, de toute façon. Problème. De toute façon, ça t'empêche pas de participer, ça ne nous a, ça empêche pas de nous voir, donc c'est le principal. Ok, bon, alors. Euh, euh, bon. Alors, on essaie de commencer à 20h40. Hein, désolé pour ceux qui sont arrivés à l'heure, mais alors il oui, y, a, y a 14 personnes qui sont inscrites, donc j'aimerais euh, pas pas avoir à répéter la, 15 fois la même chose. Donc euh, si à 20h40, de euh, toute façon en, quoi qu'il en soit à 20h40, on commence hein, parce que qu'on qu traîne pas parce que ne serait pas logique vis-à-vis -vis de ceux qui sont à l'heure et puis vis-à-vis -vis de moi-même. Donc euh, on attend Alain, on attend Christian, on attend Alioun. On attend Bachir, on attend Sylvain, on attend Michel, on attend Jean-Marie, on attend Oscar, on attend Jean, on attend Pierre et voilà. <laughs> donc coup ça fait quoi ouais, ça fait 15 ou ça fait euh, 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 non alors attendez. Là vous êtes 4 déjà donc euh, et on attend Alain, Christian, Alioun, Bachir, Sylvain, Michel, Jean-Marie, Oscar, Jean et Pierre. Voilà. Il nous reste encore 10 personnes. Euh, alors je vais voir mes emails quand même des fois qu'ils m'envoient un message euh, s'ils ne savent pas où il faut cliquer. Donc là, l'inscription est automatique, hein, donc je n'avais pas besoin de. Évidemment, comme c'est une session offerte, c'est facile de mettre ça en automatisme. Pas de pas de message particulier donc euh, bon allez encore trois minutes et on commence <coughs> allez pendant ce temps là je vous joue un petit air d'harmonica <laughs> comme c'est original un morceau très original vous allez voir c'est un original un original éc écossais le, le premier qui trouve, il gagne rien. Alors c'est quoi Ah ben non, l'estime du coup. C'est exactement. Vous m'entendez là oui, oui. Ça vous dit rien Avec le refrain peut-être. A trouvé, hein. Hein personne n'a trouvé même, même les machines ne trouvent pas alors là ah, non, mais dit quelque chose. ah ouais, ouais c'est un RR extrêmement connu ça a été repris par les beatles euh, au tout début en 1960 je crois en 61 peut-être ça s'appelle il y a trois syllabes bon on va y aller de toute façon on va commencer ça s'appelle my Is rich. My tailor is rich en trois syllabes non? My beau, my beau, my bonnie, my bonnie lies over the ocean, my bonnie lies over the sea. Bring back, bring back, bring back my bonnie to me, to me, bring back. Non, ça veut dire rien. Okay, bah vous chercherez sur internet euh, Tony Sheridan et les Beatles. Tony Sheridan, c'était un, un chanteur euh, anglais euh, qui était assez connu oui. dans la fin des années 50, début des années 60, et qui a lancé les Beatles. Et en fait, il est Tony Sheridan. Et donc, il, il tournait beaucoup en Allemagne, il était très connu en Allemagne au début des années 60. Et euh, il avait euh, un orchestre avec lui. Et chaque fois qu'il prenait des musiciens, donc il prenait des musiciens pendant six mois, un an, qu'il appelait les Beat Brothers, donc c'était ça, c'était Tony Sheridan and the Beat Brothers, donc les, les frères du rythme, bon. et les Beatles ont joué avec lui, donc pendant que les Beatles étaient avec Tony Sheridan, il par les Beatles s'appelaient Tony Sheridan and the Beat Brothers, et ils ont chanté une version de My Bunny, euh, version rock, euh, commence My Bunny », comme ça, un peu vraiment euh, sentimental, et puis euh, d'un seul coup ça, ça accélère et puis ça devient euh, du rock. Ok, bon bah écoutez, on est en, entre, en petit comité, de toute façon, j'enregistre la, la session, donc euh, si jamais euh, bah, ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre pourront la voir. Donc le, le but, c'est quoi C'est de parler de Facebook. Alors, ce n'est pas de parler de, de Facebook en général, c'est de parler du groupe Facebook et -ce, euh, ce que ça peut vous apporter de, de nous rejoindre sur Facebook. Alors, j'ai un petit sondage à vous, euh, à vous soumettre. Voilà. Tac. Donc utilisez -vous, utilisez vous oh je vais y arriver, utilisez-vous Facebook. Donc là, il n'y a qu'une question. La réponse, euh, c'est donc à quelle fréquence utilisez-vous Est-ce que tu utilises Facebook Donc euh, soit euh, chaque jour, soit plusieurs fois par semaine, soit quel quelques fois chaque mois, soit pratiquement jamais, ou si carrément tu n'as pas de compte Facebook. Voilà. Donc évidemment, s'il y avait eu 14 personnes et non pas, et non pas 4, on aurait eu des, des résultats plus... Enfin bon, on va voir quand même. Donc, est-ce que tout le monde a répondu là Non, pas encore. Il y a 2 sur 4, voilà, 3 sur 4 qui ont voté. Moi j'ai répondu. D'accord, bah, il, il, il reste plus qu'un seul vote. Alors, qui n'a pas voté Est-ce que la question est difficile ou, <laughs> ou est-ce que c'est un problème technique À qui tu dis ça bah, Je dis ça à la, à la communauté. Moi, je, je vois les, les, le nombre de personnes qui ont voté, mais je ne peux pas savoir qui a voté quoi. C'est des, ah, des sondages anonymes. Tu ne vois pas qui a voté bah Non, je ne vois pas. Bah non, parce que tu imagines que... Bah, je sais pas, Enfin, c'est des sondages anonymes. Quoi. Donc Moi, je vois le, le pourcentage, je vais vous le publier. Dans la... On ne peut, peut pas te le mettre en privé si, si vous voulez, mais ça va plus vite de, de cliquer là-dessus, quoi. Enfin, c'est fait pour. Donc, est-ce que tout le monde a voté là euh, Carmen, oui. Carmen, Jean-José, oui. oui. Guy et Bernard Oui, ça y est. Tu m'entends ah Oui, je t'entends. Alors, peut-être que c'est Guy. J'ai voté. voté. Ah, ça y est, c'est fait, oui, c'est fait pour tout le monde. Super. Alors, voilà. Donc, euh... OK, donc il euh... donc, y a la moitié des personnes, c'est plusieurs fois par semaine. Une, c'est chaque jour. Une autre, c'est quelques fois par mois. OK. Bon, voilà. Bon, on relancera peut-être le sondage s'il y a un peu plus de monde qui nous, qui nous rejoint. Encore une fois, vous étiez 14 inscrits. Donc, euh, le bon, ça, c'est pas mal. Alors, pourquoi est-ce que vous utilisez Facebook Qu'est-ce qui vous plaît euh... Quels sont pour vous les, les avantages d'utiliser Facebook Là, vous pouvez répondre. Les micros sont ouverts. Donc, euh... Euh, vous pouvez lever la main si vous voulez, mais essayez de ne pas répondre tous en même temps. Mais essayez de répondre. Pourquoi vous utilisez Facebook Qu'est-ce que vous, vous aimez y trouver C'est important de, de répondre à ces questions. Alors, Bernard, Jean-José. Euh... Oui, bon, Bernard, si oui. tu veux. Oui. Euh, J'ai levé la main, mais on ne m'a pas répondu. Ah oui, bah, <laughs> comme on ne voit pas, forcément. <laughs> Donc, euh, moi, je, je n'écris jamais rien. Je regarde simplement les, les messages postés par mes enfants. Voilà. D'accord. Et pourquoi toi-même tu toi -même, et, et pourquoi toi-même t'écris pas, pas, pas hein. D'accord bah écoute on va on va on va en parler ce soir euh, Guy euh, Jean-José Carmen qu'est-ce que vous aimez euh, avec Facebook donc je sais que vous vous postez des, des choses qu'est-ce qui vous plaît euh... oui vas-y Guy Euh, euh, D'accord, donc en fait, euh, voilà donc pour découvrir des choses sur Facebook et partager avec tes amis, c'est ça? Voilà, ça. D'accord, ouais. Guy, tu te voulais dire quelque chose? Euh, bah, Guy, tu là, tu parles dans le vide, on t'entend pas du tout. Euh, ton micro est ouvert, mais ton leçon doit être coupé ou je sais pas. T'as peut-être un, peut un, un volume à régler. Là, on ne t'entend pas. Là. On, on voit les lèvres qui remuent, mais comme je ne sais pas lire sur les lèvres, je, je ne comprends pas ce que tu dis. Bon, alors on va interroger Jean-José pendant ce temps-là. Essaye de régler ton problème de micro. Moi, je l'utilise principalement pour... Euh, je fais un peu de la, de la photo pour publier mes photos. D'accord. Pour les, euh, les événements. D'accord. J'ai des amis qui ont, qui ont un groupe de musique et puis euh, c'est un petit peu lié à tout ça. D'accord. Il euh, y a une fonctionnalité événement qui est assez bien, quoi, assez pratique. D'accord. Donc pour, euh, ouais. pour organiser, ouais. pour organiser des, des, des événements entre vous et puis pour, euh, pour publier tes photos. Et puis des événements publics, tout Oui. D'accord. D'accord. Donc on va voir ça. et Guy alors est-ce que tu as résolu ton problème de micro Ah non mais on t'entend pas du tout et pourtant ton micro est ouvert hein, donc euh, ça ça vient pas de chez moi ça vient de chez toi là je sais pas si si tu as un, 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 un volume à, à régler de, de micro ou quoi ou, ou si c'est si c'est pas branché non non même avec la même avec les mains <laughs> <laughs> ou alors écrit crée dans la fenêtre de conversation bon Enfin, je sais que Guy se, se, se sert à beaucoup de, de Facebook. Alors, donc, euh, en fait, quel est l'intérêt de, de parler de Facebook ce soir En fait, alors, bah, j'ai euh, interrogé. Vous n'êtes pas tous dans le, dans le groupe euh, Facebook Guy, oui. Guy, Carmen et Jean-José, vous y êtes, ça je le sais. Bernard, tu y es encore Tu y es déjà ou pas Pas encore dans, dans quoi Dans le groupe Si, si, je me suis inscrit. Dans le... Tu es inscrit, d'accord. Voilà, Précise précis ta question, je la comprends pas. Euh, dans, dans le groupe euh, de l'école d'harmonica. Je me suis inscrit et c'est pour ça que je suis donc dans cette conversation aujourd'hui. Parce que sinon, si j'étais pas inscrit, j'y serais pas. Non ce ah, bah non, ah bah non, non, là j'ai ouvert le... la discussion à tout le monde, même à ceux, même ceux qui sont pas encore élèves de, de l'école, pour, euh, pour leur présenter l'intérêt le, de, de ce groupe Facebook. Je, je pense que oui, je ne sais pas. J'ai tu... répondu, ton... répondu à ton mail euh, d'il y a quelques jours là, pour m'inscrire. Oui. Je, 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 je ne sais pas, en fait, si pratiquement je, je suis inscrit ou pas. Bon, on va regarder ça ensemble, d'accord. Donc, euh, en fait, pourquoi le groupe Facebook Donc, j'en parlais un petit peu dans l'email. L'idée, c'est que... Euh, alors, en fait, grâce à la formation complète ou, ou d'autres formations, l'objectif, c'est d'être autonome devant sa formation. C'est pour ça que j'ai lancé cette formation en ligne. Euh, L'idée, c'est euh, de, de permettre au maximum d'élèves d'apprendre à jouer de l'harmonica, d'apprendre à jouer de la musique, puisque... Ça, euh, ceux qui suivent le, les agora le, le savent, euh, Guy, euh, Carmen et Jean-José, j'en parle souvent, c'est qu'en fait pour moi, l'objectif, c'est pas seulement de jouer de l'harmonica, mais c'est d'apprendre à jouer de la musique. Hein. Donc euh, d'être vraiment musicien. Quand je parle musicien, je ne parle pas de musicien professionnel. Ce n'est pas mon objectif de, de vous rendre professionnel, mais c'est de, de vous rendre des musiciens à part entière si vous connaissiez la musique. Quoi. Que vous ne jouiez pas des morceaux parce que bon, c'est écrit comme ça et vous ne vous posez pas de questions, vous compreniez pourquoi vous jouez les notes, vous, euh, vous, vous improvisez si vous voulez, vous pouvez faire vos propres interprétations, etc. Donc euh, le but, c'est vraiment de comprendre la musique. Bon. Et donc pour ça, euh, j'aurais pu euh, faire comme font certains sur Internet, je critique personne, hein. c'est juste une, une démarche complètement différente que j'ai prise. Je préfère comme certains qui, euh, qui, prennent, 3, qui prennent une dizaine d'élèves, 3, 4, 5, 10 élèves dans l'année et, qui, euh, et, euh, et qui, qui font des cours particuliers. Bon, moi, ce n'est pas, pas la, la démarche que j'ai voulu utiliser. Mon objectif, c'était de me, me diffuser ma pédagogie au plus grand nombre. Parce que j'avais souvent des, pendant longtemps, j'ai eu pendant des années des des, des personnes qui m'appelaient au téléphone et qui m'envoyaient des emails en me disant, euh, je vous connais de réputation, je sais que vous donnez des cours, euh, bon, je sais que vous, il paraît que vos cours sont intéressants, mais par contre, j'habite à 200 km, 600 km, 1000 km de chez vous. Est-ce que vous connaîtrez pas un collègue Et puis bon, ben, bah, j'arrivais pas à trouver forcément de personnes près de chez eux. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bon, il faut vraiment diffuser au plus grand nombre. Et pour ça, je me suis dit, si je commence à. Ben, je ne pourrais pas avoir 30, 40, 50, 125 élèves dans l'année comme c'est le cas dans, pour l'école. Là, il y a environ 125 élèves par an. Donc, euh, ben, je ne peux pas faire 125 élèves, euh, enfin 125 cours de particuliers dans la semaine. Ce n'est pas possible, à moins de ne plus jamais dormir la nuit ou quoi que ce soit. Et donc, mon objectif, c'était de vous rendre autonome avec une formation. Donc, ça, c'est l'objectif de la formation complète. Donc, en fait, en suivant la formation complète, même si vous n'avez pas de prof à côté de vous, vous êtes capable de, de suivre la méthode. Bon. Et c'est ce qui se passe avec toutes les, les méthodes qui ont, été, qui ont été bien conçues. J'ai l'occasion d'apprendre, de, de réapprendre à jouer du ukulélé en ce moment. J'ai trouvé une super méthode et je n'ai pas besoin de prof, je n'ai pas besoin de, des, enfin de, de payer des cours avec un prof. Je me suis acheté la méthode et ça me suffit. Et après, bon, après c'est de l'entraînement et puis apprendre des nouveaux accords, des choses comme ça, mais j'ai appris la technique comme ça. Donc le, ça, c'est vraiment chouette parce que ça nous permet d'être autonome. Le problème, c'est que. Euh, il ouais, y a le problème et puis il y a aussi autre chose, mais euh, moi, l'avantage d'avoir pris cette méthode de ukulélé et puis d'être capable de, de jouer assez rapidement et commencer à m'accompagner en, en chantant, bah, moi je connais déjà la musique, donc évidemment, une fois que j'ai la technique, je, je, je suis capable de. Bah, c'est bon, je sais ce que c'est qu'un accord, je sais ce que c'est qu'un rythme, etc. Bon. Quand, on est, quand, on est, quand on commence compl complètement et que des fois on se retrouve un petit peu coincé. Dans, devant son cours ou des fois on fait quelque chose, on se dit mais euh, le prof il, il fait ça, Bertrand fait ça dans la démonstration, j'ai l'impression de faire la même chose et ça sonne pas exactement pareil. Euh, bah, c'est bien d'avoir un, un retour du prof. Donc pour ça, il y a les agora qui existent bon. Mais des fois quand on est devant une difficulté, euh, même si on pose la question, des fois, on, pff, on, se, on se lasse un peu ou on se démotive un peu et on aimerait bien qu'il <laughs> y ait d'autres personnes qui disent « Allez, vas-y, motive-toi. Tu sais, moi aussi, je suis passé par là, etc. » Donc, le fait d'avoir des l'interaction avec d'autres élèves comme une vraie école de musique, c'est vachement important. Et c'est pour ça que, quand je parle de mes cours d'harmonica, je ne dis pas euh, « Bon, voilà, il y a des cours en ligne. » C'est une vraie école, une vraie école. Sauf que la différence avec une école traditionnelle, c'est que bah, vous venez pas chez moi pour prendre des cours et puis vous ne venez pas chez moi pour, 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 pour rencontrer les autres élèves. Mais sinon, ça fonctionne de la même façon. Donc, en fait, dès, dès le départ, euh, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est faire en sorte que les élèves puissent échanger entre eux pour se, pour se motiver, pour se poser des questions ou même, euh, euh, ou même des fois écouter des choses qui viennent d'ailleurs. Dire, bah, tiens, j'ai entendu ça. Qu'est-ce que tu en penses Tiens, euh, on, pourrait, on pourrait travailler ça en, en plus des cours, etc. Ou, ou faire des petits concours, des petits jeux entre nous. Quoi. Donc, il y a, y a plein de choses à faire, en fait, quand on est dans une école de musique et qu'on rencontre des élèves de même niveau. Donc, au départ j'avais mis en place sur le site jazz.com il y avait un forum que j'avais appelé le forum des patinés de l'harmonica et euh, bon alors c'était très très lourd à gérer parce que il fallait se connecter avec un, un nom de et un mot de passe, bon ça c'était pas très difficile mais après il fallait, euh, il y a toute une gestion pour moi derrière, euh, derrière le forum et le problème du forum c'est que c'était une espèce de tableau et si jamais il y a une personne qui n'avait pas posé la question dans, dans la bonne rubrique etc. des fois je, parce que tout le monde n'est pas euh, très à l'aise avec l'informatique, et j'ai remarqué que ça fonctionnait pendant un an ou deux, mais enfin fonctionnait entre guillemets. Mais euh, par, des fois, il y a une personne qui posait une question et l'autre répondait, mais au lieu de répondre à la question qui était posée, il répondait dans une autre rubrique, ce qui fait que la personne n'avait pas vu la, la réponse à sa question. Donc j'étais obligé de déplacer la réponse. Pour, enfin bon, c'était un chantier pas possible. Quoi. Donc je me suis dit, euh, ça c'est un boulot à, à part entière. Et puis c'est pas si pratique que ça. Ou alors il faudrait faire un seul sujet. Alors là, si on fait une seule page avec tous les sujets possibles, ça risque d'être très difficile aussi. Donc euh, je, me, je me suis dit, en fait, c'est plus, plus compliqué qu'autre chose. Et si quelqu'un, si un élève veut poser une question dans le forum parce qu'il coin sur quelque chose et qu'il a l'impression d'être devant une usine à gaz et que pour lui, c'est encore plus difficile de s'en sortir, à un moment donné, bon, bah, il arrête. Quoi. Il se dit, euh, il se démotive forcément. Et, euh, et entre-temps, ben y a, y a, moi j'étais déjà dans des groupes de dans des groupes de travail de, de professionnels euh, parce que je suis entrepreneur évidemment donc euh, sur Facebook et, euh, et je me suis dit mais après tout pourquoi ne pas créer mon propre euh, groupe Facebook alors les choses se sont euh, ont bien évolué sur Facebook et maintenant il y a vraiment un super outil donc je vois plus l'intérêt de de, de gérer un forum parce que c'est beaucoup plus complexe que, que Facebook et du coup j'ai complètement viré le, le forum ça a permis d'alléger un peu le site ce qui fait que pour naviguer dedans c'était plus simple et on va voir ensemble euh, comment fonctionne ce groupe Facebook voilà donc alors on va regarder ça ensemble donc je vais partager l'écran vous me dites si vous voyez mon mon écran s'afficher voilà vous voyez tout ça vous voyez l'écran là oui c'est oui, bon, bon D'accord. Alors, donc, on arrive dans Facebook. Bon là, je pense que vous savez arriver dans Facebook. Pour ceux qui n'ont pas de, de compte, alors je vais quand même faire un... Pour ceux qui vont voir la, la rediffusion. Voilà. Voilà, oh il y a un bruit un peu bizarre là. Je ne sais pas d'où ça vient. Bon. Euh, voilà. Donc, euh, euh, donc là, vous arrivez, vous arrivez sur facebook.com. On va faire toute la démarche facebook.com, tac, voilà, bon, là on voit les connexions récentes, je clique sur, sur moi pour, euh, voilà, et mon mot de passe, je look, voilà, tac, et j'arrive, je suis connecté à Facebook, très bien, bon, voilà, donc quand je clique, quand je clique sur mon prénom, j'arrive sur mon fil d'actualité, donc le fil d'actualité, c'est là où je peux mettre toutes les, bah, tout ce que j'ai envie de partager en fait, donc il y en a. Alors, déjà une première chose, euh, euh, certains me disent Oh là là, moi je vais pas aller sur Facebook parce qu'il paraît qu'on euh, partage tout et puis, euh, et puis après on n'a plus de vie privée. En fait, on, on partage ce qu'on veut, quoi. Il n'y a rien qui m'oblige à partir. Moi, je partage beaucoup de choses parce que bon, bah voilà, c'est ma manière de faire. Donc j'ai mis euh, ma photo, enfin c'est un graphiste qui m'a qui m'a dessiné. Je partage une image qui indique ce que je fais comme métier, quoi. Voilà, moi je suis dans l'éducation, donc euh, j'apprends pas mal de choses. Surtout la musique. Bon, là, il y a un violon, c'est une, une, une guitare, j'ai pas trouvé l'harmonica, mais c'est pas grave. Enfin, voilà, donc euh, ça indique ce que je fais, mais on peut mettre ce qu'on veut. Hein. Il y en a qui mettent rien, il y en a qui mettent juste une page noire, on met vraiment ce qu'on veut. Et puis après, sur À Propos, eh ben, on peut voir pas mal de choses sur moi. On peut voir que je suis enseignant, que j'ai fait des études, où j'habite, l'adresse la, email que vous reconnaissez ici, euh, le, le site de, de l'école d'harmonica. Euh, ma date d'anniversaire, et puis euh, j'ai absolument tout rempli parce que bon, j'ai aucune raison de, de, de cacher certains trucs. Sauf qu'évidemment, euh, euh, bon voilà, il y a même ma famille, mes relations, donc moi j'ai absolument tout. Euh, tout, euh, tout j'ai même mis que j'étais célibataire, <laughs> mais tout ça, on peut, on peut très bien le cacher, on peut très bien mettre, euh, modifier ça, et puis, euh, et puis, comment, euh, ne rien mettre du tout, tac, voilà, et puis euh, voilà, donc, euh, ou certains parfois qui sont mariés. Mais comme ils ne veulent pas être embêtés, ils mettent célibataire, par exemple. Ou l'inverse, ils sélectionnent qui sont célibataires, c'est mettent qui sont mariés. Bon, peu importe. On met ce qu'on veut, quoi. Okay donc c'est pas. Il euh, n'y a, y a aucune obligation. Et voilà. Bon, voilà, ça c'est ma famille. Bon, peu importe. Les détails sur moi. Voilà, donc les cours d'harmonica en ligne. Donc là, j'ai mis, c'est pareil, à propos de moi. Qu'est-ce que j'ai mis ben, J'ai pas mis toute ma vie. J'ai simplement mis ce que je fais, puisqu'en fait, pourquoi je me sers de Facebook Bah, essentiellement pour, euh, pour partager ma musique et puis les cours de musique. C'est pour ça que j'utilise. Je n'utilise pas que pour ça, mais essentiellement pour ça. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ça. Et puis, bon, bah voilà, les événements marquants. Euh, bon, bah voilà, le début de l'école d'Arménica. Hein. Bon, il n'y a pas énormément de choses là-dessus. Ok, donc on partage ce qu'on veut. Et alors, donc, on arrive sur le journal, là. Et donc, ici, je... Donc là, tout ce que je partage sur mon feed d'actualité, c'est public, alors, sauf que je peux aussi restreindre si je vais trop vite, vous me le dites. Mais si je peux aussi restreindre à une, une publication, par exemple, j'ai envie de publier. Euh, euh, je suis en train de faire une démo Facebook à mes élèves. Voilà, tac. Et puis euh, j'ai envie, par exemple, que tout le monde ne voit pas cette publication. Je me dis bon bah allez, hop, je vais euh, je vais simplement voir alors mes amis, sauf euh, par exemple les membres de ma famille, parce que je n'ai pas envie que. Enfin, je ne sais pas, hein, c'est un exemple. Hein, je n'ai pas envie qu'ils voient ça. Donc, je peux très bien sélectionner. Voilà. Je... Mes amis, mais pas, mais, mais pas ma famille. Okay. Ou alors je, je sélectionne euh, la famille, pas, pas de problème. Mais par contre, je ne veux pas que... Euh, voilà, ces personnes-là voient la publication. Donc je peux, le, je peux la supprimer. Okay donc ça, c'est une possibilité. Bon. Mais, ça... mais l'idée quand même de... L'idée de ça, c'est que ça, c'est quand même c'est quand même public, ok. Voilà. Bon. Voilà. là je ne pas, euh, je l'ai pas publié, mais après on peut aussi la supprimer, c'est hein, si, si vraiment on supprime. voilà, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Et on a toutes les restrictions possibles, d'accord, ok. Mais ça c'est L'idée, c'est qu'il y a une personne qui partage dans, dans son fil d'actualité. Alors, le principe de, de Facebook, c'est qu'on a des amis. Là, j'en ai 2517. <laughs> Alors, c'est pas des vrais amis, c'est-à-dire que ce c'est pas des gens que je connais, je les connais pas tous. On va, je vais pas boire un pot avec eux régulièrement parce que 2517 personnes, ça ferait beaucoup. Mais ce sont des personnes qui me contactent, qui me disent, bah tiens, euh, voilà, j'ai des demandes ici. Donc, quand je clique là, je vois qu'il y a des demandes d'amis. Euh, des gens qui disent, bah, tiens, je, je t'ai vu jouer de la musique, j'aime bien ce que tu fais, qui me demandent euh, si je vais être amie avec eux. Voilà. Et donc, soit je, soit je clique sur confirmer parce que je suis d'accord, soit je clique sur supprimer parce que je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que des fois, il y a, des, y a des, des personnes qui me contactent, mais qui sont des, des comptes, enfin, euh, euh, soit ça, il peut y avoir des faux comptes, ça arrive. Bon, quand je vois que la, la personne est toute nue sur son, sur son photo de profil, je sais que c'est un, un truc pornographique, donc je, je mets « supprimer », quoi. Je ne vais pas confirmer ça. S'il y a une personne qui me, qui me contacte pour me vendre des, euh, euh, du Prozac, des chaussettes ou des trombones, et que ça ne m'intéresse pas, bah, je supprime aussi. Donc, euh, y a pas, y a, encore une fois, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de... A, je ne peux pas être ami avec des personnes où je, où de, de, que je n'ai pas envie d'accepter comme ami. Ok Bon. Et Facebook me propose euh, éventuellement, tiens, des... pourquoi pas ajouter Claudio Zaretti, Thierry Clois, bah oui, tiens, lui, pourquoi pas, parce que, ok, il est dans, il est dans mes contacts, il, euh, il, est, il est guitariste, donc hop, là, je vais demander en ami, donc il y a une invitation qui est envoyée, et tant qu'il n'a pas confirmé euh, l'invitation, eh ben, euh, je ne suis pas ami avec lui, ok Donc, le fait d'être ami... <coughs> Ça permet que de, de voir ses publications en fait et d'être averti quand, quand il publie quelque chose. Quand on clique sur la cloche ici, on voit toutes les notifications. Voilà, par exemple, on voit que Jean-José et Pascal ont commenté un lien. Pouf, voilà, je clique dessus et je vois, euh, bah voilà, euh, euh, voilà, je, je, je vois ce que Jean-José a publié parce qu'on est amis ensemble, ok Voilà, c'est ça le principe de, de Facebook, le principe général. Bon, mais il, euh, comme euh, j'ai en, envie aussi que les, les questions qui sont en rapport avec l'école d'harmonica, enfin tout ce qu'on peut publier sur l'école d'harmonica, j'ai pas envie que ce soit sur mon fil d'actualité parce que sinon il faudrait que je que je que je que je fasse tout, une restriction à, aux seuls élèves et puis ensuite. Mais le problème c'est que si je fais ça, s'il y a d'autres élèves qui veulent faire partie, qui veulent voir mes publications, il faudrait que je rajoute dans chaque publication que j'ai faite, il faudrait que je rajoute. Euh, ah oui, je veux aussi qu'il soit partagé avec un tel machin qui vient d'arriver, puis Robert Truc qui vient d'arriver, etc. Donc ce serait une usine à gaz, c'est vraiment très difficile à faire. Donc pour ça, il y a ce qu'on appelle les groupes Facebook. Okay. Alors si on va sur le, la partie accueil, on a ici la partie groupe. Donc il y a plein de choses ici, les pages, etc. Et il y a les groupes. Bon. Et dans les groupes, il y a les groupes que, que moi je gère, hein, j'en ai quelques-uns, et puis les groupes dont je, dont je suis membre. Donc les groupes dont j'en suis membre, il y en a... Peut-être 200. Euh, les groupes que je gère, il y en a peut-être une dizaine. Bon, on va les voir ici. Voilà, euh, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bon, enfin, il y en a un peu plus. <laughs> d'accord. Bon, j'en ai pas mal, j'en ai pas mal. Bon, d'accord. Bon, alors, euh, ceux qui me euh, ceux qui nous intéressent, pour l'instant, c'est le groupe de l'École Internationale d'Harmonica. Voilà. Alors, faut savoir que dans les, dans les groupes, il y a des, des groupes qui peuvent être euh, publics ou qui peuvent être fermés ou qui peuvent être secrets. Bon. Le, le plus intéressant, je trouve, c'est le groupe fermé. Donc fermé, ça ne veut pas dire que personne ne peut y entrer, ça veut dire que, donc c'est écrit ici, tout le monde peut trouver le groupe. Tout le monde peut trouver le groupe euh, de l'école internationale d'Armenica, et voir qui le gère. Donc y voir que c'est un Bertrand Carbonneau qui gère le, le groupe. Et seuls les membres peuvent voir qui en fait partie et ce qui publient. C'est-à-dire qu'en fait, ça reste vraiment entre nous. S'il y, y a des questions, si des personnes veulent mettre des démonstrations de ce qu'ils font, ils ne veulent pas que ce soit public, c'est dans le groupe fermé. Le groupe secret, c'est différent. Le groupe secret, c'est encore plus fermé que ça. C'est-à-dire que non seulement quelqu'un qui ne fait pas partie du groupe ne peut pas voir les publications, ne peut pas voir qui fait partie du groupe, mais il ne peut même pas trouver le groupe. C'est-à-dire qu'en fait, si, on, si je ne vous donne pas le lien, personne ne peut le trouver. Bon, je me suis dit, ce peut-être pas la peine d'aller aussi loin. Il y a des gens qui peuvent, qui peuvent voir que l'école d'harmonica existe. S'ils veulent me rejoindre, ils m'envoient un petit mot en disant tiens j'ai vu que bah, comment comment on fait pour entrer dans l'école. Bah je dis écoute il faut que tu sois élève, d'accord Ah bah, parce que tu donnes des cours et puis voilà ça permet aussi des fois de, de trouver des élèves. Donc je vois pas l'intérêt de, de faire un groupe un groupe secret. Mais c'est quand même un groupe fermé parce que euh, bah, ceux qui font partie du groupe ils ont pas un inconnu n'a pas à savoir qui fait partie du groupe. Il n'a pas à voir non plus les publications, il ne peut pas commenter les publications, d'accord Du coup, c'est vraiment, un, un, vraiment le remplacement du forum, mais c'est beaucoup mieux, on va voir à quel point c'est mieux. Donc, c'est vraiment le, le groupe des élèves de l'école d'harmonica, ok Donc, pour le moment, il y a 42 membres, voilà. Donc là, je peux les citer parce qu'on est entre nous, bon, il y a moi forcément, il y a Carmen, ici présente. Bon, Carmen, elle a deux comptes, <laughs> mais pour le moment... On a... D'accord, bah, euh, bon, enfin, c'est pas très grave. Alors, donc euh, du coup, il n'y a plus que 41 membres. Donc, euh, Guy qui est ici, Jean-José qui est ici également, Edmond, Joël, Daniel, Jacques, Edouard. On va voir s'il y Bernard. Patrick, Stéphane, Jean-Pierre. Pardon, ça va un peu vite, excusez-moi. Alors, on recommence. Bon, je ne sais pas pourquoi il est aussi rapide. Alors, Daniel, Jacques, Edouard, Patrick, Stéphane, Jean-Pierre, Patrice. Euh, Walkneed, Woknid c'est un pseudo, peu importe. Euh, Sophie euh, Armochop c'est Jean-Jacques, François, Gérard, Sabine, Martine, euh, Alain, Jean-François, Fred, Delphine, Jean-Paul, Daniel, Marilyn, Bernard, Gilles, Yvan, René, Denis, Jean-Marc, Jamel. Il y a Jamel que j'appelais Bruno pendant un temps, je ne sais pas pourquoi, mais je, con... je le confondais toujours avec un. Une fois, il y a eu un croisement d'emails et je l'appelais Bruno, je ne sais pas combien de fois, mais il m'a dit "Mais non, je m'appelle Jamel." Donc je l'appelle Jamel, Bruno. Euh... Bah, ça, c'est encore Guy, euh, Jean-Louis, ah, oui, voilà, de... Dorothée, Philippe, Frédéric, Franck. et Jérôme. Donc Bernard, tu n'es pas encore dedans. Oh, mais Donc je suis voilà. Eh ben, écoute, euh, est-ce que tu as donc tu, as, tu me dis que tu avais un compte Facebook eh ben, on va faire ça ensemble. Ça va être une bonne démonstration. Ouais. Alors, on va regarder si je trouve. Berne... C'est ton, t'as mis ton prénom et ton nom Oui, Bernard Fourcade, oui. oui. D'accord. Alors, Salaud, euh... ouais. Oui, Salo, c'est mieux de raison. Bernard Fourcade. Ok, mais tu fais, tu fais partie des, é... de, des élèves de l'école euh... <laughs> Je Alors, ben, c'est juste pour, euh, pour que tout le monde comprenne. Est-ce que tu as pris la formation complète Pas pour l'instant. Donc, tu n'as pas encore commencé les cours Non, non, je n'ai comm rien commencé du tout. D'accord, voilà. Donc, c'est pour ça que tu fais pas encore. J'ai reçu, reçu l'harmonica que tu m'as envoyé. là. D'accord. Et Alors, Alors, je verrai en septembre en revenant. En revenant sur Paris. D'accord. D'accord. Alors, donc. Euh... Non, mais je ne me vois pas. Suis... D'accord, ok. Et est-ce que tu te reconnais dans les, dans les personnes, là Non, non, je, je ne suis pas dans les quatre. Un, deux, trois, quatre. non non peut-être celui où il a pas d'image je sais que c'est quoi là alors on peut regarder on peut avoir plus de détails ou pas bien sûr enfin sauf si si sauf si tu pas mis non c'est pas toi j'ai mis une photo ben. alors euh, bah, c'est bizarre éventuellement est-ce que tu euh, si tu vas sur ton Facebook tu vois ce que je peux faire tu vois c'est si aller sur mon sur mon prénom et on voit c'est écrit facebook.com/bcarbono et tu peux faire un copier-coller comme ça je peux je peux te trouver plus facilement peut-être Comme ça, on peut faire une demande d'amis, on peut montrer ce que c'est, Comme ça, tous ceux qui. Parce qu'on peut être. Il y a un autre groupe. C'est étonnant que tu me trouves pas quand même. Bah ouais mais. C'est tellement puissant. Ouais mais bon alors je. J'ai vu quelqu'un en photo là. Je peux. Mais il y avait qu'une partie là qui est affichée. Il y avait un lien voir tout et puis je pense qu'on. Il y en a peut-être d'autres parce que ça m'étonne qu'il n'y ait que ça. Bah oui. Je ne sais pas si Fourcade c'est un nom connu ou pas mais. Il y a un millier dans le sud-ouest. Ah bah voilà, voir tout. Attends, j'ai cliqué sur voir tout. Est-ce que tu te reconnais là euh, Descends, descend, descend. Ah non, après c'est la fourcade, ça n'a rien à voir. Jean-Bernard. Bernard Fourcade, il y en a encore un autre. Ah non, c'est Bernard, c'est pas Jean-Bernard. Ouais. La Fourcade, non Voilà, en bas. En bas, où ça En dessous de la fourcade. En dessous de la fourcade. Ici là Descend, descend. Voilà, voilà, c'est ça, c'est moi. Tu te reconnais là Bon, voilà, moi. ok, donc je mets ajouter dans l'invitation envoyée. Est-ce que de ton côté tu peux accepter l'invitation euh, Je fais. Il faut que j'aille où il faut que Alors je... tu, tu, il faut tu dois que... le voir ici, là, as dans les invitations, là, tu as les, les petits symboles des amis, des personnes. Euh, euh... Si tu cliques ici, tu vas voir l'invitation et après il n'y aura plus qu'à confirmer. Oui, mais il faudrait que je sois sur mon Facebook, là. Suis pas Ah, moi. oui, oui. Ah bah oui, bien sûr. Non, tu ne peux pas quitter la je, réunion je, là. Je, peux, je peux pas y aller parce que je vais fermer Et puis je vais quitter la réunion bon, Tu ne peux, tu peux pas, pas quitter je, la je, réunion bon, alors Je tu... commenterai après, j'accepterai tout à l'heure D'accord, alors je te dis ça parce que bah Du coup Guy tu as retrouvé ton micro, c'est bien Alors Parce qu'en fait il y a un autre groupe qui existe Pour ceux qui ne sont pas encore élèves oui. Qui s'appelle, c'est pour ça le fait Qu'on soit amis je pourrais t'inviter Qui s'appelle Envie de prendre un bon départ à l'harmonica Toi il y a déjà dit cette personne oui. Et aussi, donc ça fonctionne de la même façon. C'est un groupe fermé, qui fait que tout le monde peut voir que le groupe existe, et euh, mais on ne peut pas voir qui en fait partie et qui publie quoi. Bon, je me, me mettrai dans celui-là. Donc, donc en fait, une fois que tu m'auras accepté comme ami, je, je taperai ton, ton nom ici, comme ça tu recevras l'invitation. Tu vois là, par exemple, je, je peux inviter telle personne, et après tu n'auras plus qu'à accepter l'invitation. D'accord oui. C'est comme ça que ça se fait. Bon, et voilà. Donc ici, comme, euh, <laughs> comme photo de couverture. Yeah, voilà, j'ai mis euh, un, un, un vieux, un très très vieux souvenir de, de concert. Donc moi je suis ici. Là il y a Greg Zlapp, et là il y a Tomé Milto. Voilà. Et puis ça c'est deux, deux élèves, il y a Gérard et puis... Euh, et ben, lui je ne sais plus comment il s'appelait mais enfin bon c'est pas grave. Euh, des, des amis euh, élèves, on était tous élèves de, de Greg à l'époque. Voilà. C'était très vieux, hein. c'est un très vieux souvenir. Bon. Alors... Donc, on revient... Comment, comment trouver le groupe Alors, oui. Donc, alors, attends, je vais juste enlever ça. Donc, bah, en fait, si, si on fait une recherche euh, euh, alors pour trouver le groupe, si on fait une recherche ici, on a une barre de recherche là. Si je mets, par exemple, euh, allez, euh, débuter je ne sais pas, débuter harmonica, voir ce que, ce que ça donne. Tac. Voilà. Bon, il n'y a pas grand chose. Bon, on voit l'école. Euh... Alors ça c'est ça c'est une page. Ça c'est différent. Euh... Débutant informatique. Voilà, on le voit ici. Donc euh, l'harmonica et nous, euh, ça c'est un c'est un, un groupe public avec des gens qui publient des morceaux qui jouent à l'harmonica. Et là, on a envie de prendre un bon départ à l'harmonica. Okay. Donc, on peut aussi cliquer ici. Voilà. Tac. Ça y est, accepté ah bah voilà, super. Ah bah, je... Voilà, voilà, effectivement. Donc là, j'ai cliqué là-dessus. Je vois Bernard Fourcade accepter votre invitation. Donc, toi ici, je mets Bernard. Et Bernard, il y en a quelques uns. Fourcade, voilà, clique. Tac. Et voilà. Donc, tu t as dû être invité. Et tu plus qu'à accepter euh, l'invitation pour faire partie de ce groupe fermé. Tu retournes à nouveau sur Facebook, bon, c'est ça Oui. Euh... Tu retournes sur Facebook et tu dois avoir l'invitation au groupe. Dites bonjour à votre nouvel ami Facebook, c'est ça Non, c'est pas ça. Ah non, non, ça c'est... Non, ça c'est pour commencer une conversation ensemble éventuellement. Ah, mais... euh... envoyé quoi en fait alors là c'est ouais, envoyé une invitation pour euh, rejoindre le, le groupe euh, pour ah, le role où alors où c'est que ça doit apparaître ça alors où est-ce que ça doit apparaître ça doit apparaître sur la, la cloche je pense sur la notification ah, là Alors, la cloche hein, 80 85 oui bah ça ça va vite <laughs> ah, okay. Ouais, okay, j'en ai Oui, c'est très, très souvent que j'en ai des centaines. C'est fait. fait, fait, fait. Je... fait alors là, alors on, on va voir si, si je vais rafraîchir la page. Il y avait 17 membres. Est-ce qu'on passe à 18 Alors ça, le temps que ça se recharge. Non, toujours pas. Euh... Bon, alors c'est peut-être le temps, le temps que ça se charge, hein. il y a peut-être euh, peut un, petit, un petit délai. Euh... Bon, enfin, si tu as accepté l'invitation, normalement tu es dedans, hein. il n'y a pas de raison. Voilà, 18 membres, ça y est, tac, tu viens d'arriver. Donc, voilà, si on va sur les, sur tous les membres. Tac, 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 voilà, Bernard 4, 4 est ici. Voilà. Donc je te laisserai te présenter, etc. Ok, donc voilà, ça c'est le, donc c'est comme ça qu'on fait pour le, pour l'autre groupe, pour, pour ceux qui sont déjà élèves, c'est, euh, c'est exactement le même principe. Donc le, l'idée le... c'est que, euh... là je mets groupe comme ça, j'ai directement le groupe de l'école internationale bien donc, voilà. Donc euh, voilà. Là, pour le moment, il y a 42 membres, mais il peut y en avoir beaucoup plus. Enfin, il y a un peu moins, parce qu'il y a des doubles comptes, etc. Bon, puis il y a quelques personnes aussi qui sont qui sont parties, qui ont laissé leur... Euh, bon, enfin, bon, en gros, il y a une 30, une 30 ou 35 élèves. Euh, alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans, dans un groupe euh, fermé ben, En fait, alors on peut faire la même chose que pour euh, le, la publication publique euh, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire par exemple dire... Euh, je, je reprends mon message. Je suis en train de montrer l'utilisation de Facebook à Carmen Jean-José Guy et Bernard. Tac bon. Alors le il y a un petit truc un petit, une petite nouveauté, c'est que maintenant on peut euh, personnaliser un petit peu le, le texte, mettre en gras par exemple, des choses comme ça. Pas, parfois quand on a des choses importantes à dire, c'est pas mal de de mettre en gras, voilà. Ça, on peut pas le faire en dehors que de, que dans les groupes. Voilà. Bon, ça, c'est juste un exemple. Hein. Tac. Pouf. Voilà. Alors, je peux rajouter aussi des, des photos. Hein. Donc, on peut mettre soit des photos, on peut identifier des amis. Par exemple, bah tiens, euh, j'ai... Euh, j'ai... Si, si je veux que les, les amis réagissent, je me dis au fait, eh, euh, vous vous rappelez, on a fait un petit, un petit morceau de musique ensemble, et puis je mets les... les deux, trois amis qui étaient avec moi, par exemple, ok. Ou euh, tiens, euh, bah c'était à tel endroit donc euh, euh, c'est important que je mette que ça s'est fait à Saint-Gratien. Bon, peu importe, ok. Si je peux publier des sondages, donc ça c'est pas mal comme le sondage que j'ai publié euh, 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 au, au début de la séance. Euh, euh, alors, on mettre par exemple les élèves, avez-vous? Je le, éventuellement j'enlèverai je après, mais c'est juste pour l'exemple apprécier la séance tac, et là je peux mettre un petit sondage, donc les sondages moi je peux les faire, mais n'importe quel membre peut les, peut les faire aussi évidemment, voilà donc euh, voilà voilà, tac <laughs> voilà donc les, les, voilà ok alors ce que je peux faire aussi, euh, par exemple, j'ai mis euh, Carmen, jean josé Guy-Bernard. Je, pardon? Carmen ne rit pas. pas. Donc euh, là, ce que je peux faire aussi, c'est en, en cliquant près des prénoms, rappeler les gens qui sont déjà dans le groupe, ce qui fait que ils seront euh, avertis directement. Ils vont sur leur, euh, là en haut euh, à droite, là près de près du compte, le, les petits personnages qu'on a vus tout à l'heure. Euh, si je si je les les mets comme ça en surprise, c'est-à-dire je je choisis leur nom parce qu'ils sont déjà dans, dans le groupe, eh bien, ils vont être avertis directement qu'il y a une publication qui les concerne. Okay donc, ça évite de leur envoyer un message en plus en disant, vous faites, eh, je vous envoyer un petit message. Bon, Bernard, évidemment, tu n'es pas encore dans le groupe, donc tu ne vas pas recevoir le... Okay donc, euh, bon, voilà, c'est ça le, le, le principe. D'accord voilà. Là, je publie. Voilà, et ça, ça se publie ici. Okay bon, et on peut... Qu'est-ce qu'on peut publier d'autre On peut mettre... Euh, euh, alors, éventuellement identifier un événement si on veut créer un événement ensemble. Bon, soutenir une organisation, bah, ça a but euh, non lucratif, ça on le fait pas, c'est pas tellement l'objet du groupe. On peut faire de, de la vidéo, euh, publier des images, etc. Et puis on peut aussi euh, euh, exprimer son humeur. Ça, je sais que Carmen <laughs> aime beaucoup ça, <laughs> aime beaucoup de choses. Voilà. voilà, je suis heureux de vivre. Et donc, euh, je peux m'exprimer ici. je peux mettre une, je peux mettre une photo. Et la photo par exemple là, je la fait venir de mon ordinateur donc là je vous montre les entrailles de, de système bon voilà. voilà bon je vais les, je vais enlever après mais c'est juste pour l'exemple on peut aussi mettre des mettre des photos si on veut ok ou des vidéos voilà. et ce qu'on peut faire aussi euh, bon ça vient un petit moment mais c'est parce qu'on est en train, train d'enregistrer la séance donc c'est un petit peu long euh, ce que ce qu ce qu'on peut faire aussi c'est... Euh, voilà, il est en train de charger. C'est faire venir des vidéos d'extérieur pour dire... Et euh, on va le voir ici. Donc là, c'est juste pour vous montrer... Euh, donc... Euh voilà, on l'effacera après. Voilà. Ouais, nous aussi. <laughs> Nous aussi, ah bah ça, ça me fait plaisir. Euh... Il fonctionne, mon micro. Ah bah tu vois, il fonctionne. Finalement, il fonctionne. Voilà, ok. Bon, voilà, là j'ai publié la, la photo et puis le, le message. Ok, bon, euh, je vais effacer ça parce que les autres ils vont se demander pourquoi j'écris un truc pareil. Alors, voilà, là par exemple, là je suis supprime la publication. Il me demande si je veux vraiment supprimer. Si je ne me suis pas trompé, et dès que je clique sur supprimer, voilà. Donc y a rien n'est définitif. Hein, si jamais. Euh, si jamais j'ai publié quelque chose, oh, bah finalement, je me suis trompé, c'est pas ça que je voulais écrire. Soit on peut le modifier, on rédige différemment, soit on le supprime carrément. Ok Donc on, est, on, est, on reste propriétaire de, de tout ça. Euh... <laughs> Facebook, calme nécessaire. Voilà. Bon. Donc, alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est aller chercher des vidéos, et c'est ce que certains ont fait. Voilà, là c'est un sondage, c'est-à-dire que là, en fait, pour ceux qui participent à l'Agora, donc l'Agora, sont des cours complémentaires à la formation, on, on va un peu plus loin que la formation complète, donc répond, je réponds aux questions de tout le monde, pour débloquer, pour décoincer des situations, il y a plusieurs ici qui ont déjà été décoincés grâce, à, grâce aux Agoras, et puis aussi, je vais un peu plus loin que la formation pour apprendre un peu plus la musique, par exemple faire des exercices rythmiques, des exercices de, de reconnaissance de mélodie, l'improvisation, la composition, des choses comme ça. Et donc là, je publie un petit sondage, en disant bah ben voilà euh, pour la prochaine séance voilà, voilà ce que je vous propose et puis en fonction de, des personnes qui vont répondre je dis ah bah tiens il y a tant de personnes qui ont préféré le deuxième exercice et eh ben je vais plutôt proposer celui-là d'accord en fait je fais en sorte que les agora ce soit euh, euh, vraiment le que, que presque les élèves fassent ce programme moi je peux vous proposer des choses mais les élèves aussi peuvent aussi décider et donc tu vois le, je dis enfin pour ceux qui vont regarder la vidéo même pour ceux qui regardent en direct là je vois le nombre de personnes qui, qui ont déjà voté et puis, le, et puis euh, voilà, comme ça, c'est plus... Si jamais je vote, euh, bah, tac, ça se met... Voilà, mon, mon compte se met là directement. Moi, je veux ça, ça et ça. Tac, et comme ça, on voit, euh, on voit pourquoi j'ai voté. Okay et si jamais je, je dis, bah non, finalement, ça ne m'intéresse pas, j'enlève mon vote. OK voilà, Ça marche comme ça. Donc, on peut, tout le monde peut, peut publier des choses comme ça. Donc, par exemple, si euh, un élève est un peu perdu il dit, voilà, j'en suis au module 6... Euh, Qu'est-ce que vous pensez du Est-ce Que c'est difficile, très difficile pour vous ou pas Vous pouvez faire euh, publier un sondage et chacun peut répondre. Quoi. Ça peut être intéressant de, de, de voir. C'est un exemple. Hein. Il y en a plein d'autres, évidemment. Euh, voilà. Donc, voilà. <laughs> ça, c'est moi dans 30 ans. <laughs> OK. Bon, bref. Alors, euh, bon, ça, c'est encore un sondage. Voilà, par exemple, une vidéo que j'ai publiée. Donc là, est la, la vidéo peut être, peut être vue dans, dans Facebook. Ok. Alors comment je fais pour publier une, une vidéo Eh bien, par exemple, je vais sur YouTube. Je les Hein J'ai pas entendu. Donc voilà, je vais sur la, je vais sur la chaîne YouTube de armand Chopin, par exemple. Je veux, je prends une vidéo qui me plaît. C'est juste un, c'est juste un exemple. Bon, par exemple Angel Eyes, voilà, ça me plaît beaucoup. Tac. Et j'ai envie de la partager aux autres. Bonjour Donc je me dis, bah tiens, par exemple, euh, euh, ah génial cette vidéo, il euh, y a un super harmoniciste. <laughs> Et euh, j'ai envie de faire pro profi euh, en profiter à tout le monde. Okay Donc qu'est-ce que je fais Je clique sur partager. Tac. Et là, je peux cliquer directement sur Facebook. Okay Donc soit je copie le lien, mais ce n'est pas la peine, il y a une, une option Facebook. Je vais sur Facebook directement. Ça m'ouvre un, nou un nouvel onglet. Voilà. Et euh, donc je dis par exemple... Euh, ah, génial cette vidéo. Pardon, vidéo. Euh, cet harmoniciste... Est un pur génie. <laughs> bon. Oh bah, je ne je, je vous donnerai pas de cours pour apprendre à taper à la machine. Hein. Voilà, bon. Je raconte des bêtises, mais c'est juste pour l'exemple. Alors, et là, qu'est-ce que je peux faire bah, J'ai plusieurs options. Bah, je mets partager dans un groupe, parce que c'est ça qui m'intéresse. Évidemment, je ne choisis pas n'importe quel groupe. Je choisis le groupe. Alors, je mets groupe. Voilà, il est ici, de l'école internationale d'harmonica. Paf Et je peux même identifier des amis si je veux, euh, donner mon humeur. Euh, par exemple, euh, voilà, tiens, je suis en train de faire la fête. Et euh, ouais, génial, c'est super. J'ai découvert un super vidéo. Où je fête un anniversaire, peu importe, hein. bon, on lèvera après. Je peux identifier des amis, pourquoi pas. Euh, euh, voilà, je suis en train de fêter euh, l'anniversaire de Carmen, paf. Et euh, justement, il y a Guy qui a été invité, et puis, euh, puis Jean-José, Jean voilà, tac. Et là, je publie, pouf. Ok voilà. Donc là, j'ai créé une publication simplement en partant de, de YouTube. Et, et en, au niveau de l'informatique, c'est rien à faire, hein, c'est juste euh, cliquer sur les bons boutons et choisir ce qu'on veut. Voilà. Donc je supprime l'onglet euh, YouTube, je retourne dans le groupe Facebook, et qu'est-ce que je vois tout en haut s'afficher Normalement. Attendez, je vais rafraîchir la page. Voilà. Hop, là. Voilà. Donc là, il y a cette annonce-là qui, qui est toujours en, en haut parce que ça permet de, pour les nouveaux de, de comprendre ce que c'est. J'ai mis ce groupe pour objet de permettre aux élèves de l'école internationale harmonique harmonie et Jazz d'échanger entre eux pour s'entraider et par plaisir de partager leur passion pour la musique, etc. Okay Donc j'ai mis tout un, tout un layus là-dessus. Donc ça, je le laisse en haut, comme ça les, les nouveaux peuvent voir de, de quoi, de quoi c'est fait. Et voilà. Donc là, en fait, on revoit. Bah, euh, Bertrand fait un anniversaire, donc Carmen et les deux autres personnes, Jean-José et Guy, vont recevoir une notification disant que j'ai publié quelque chose qui les concerne. Je mets euh, ça, et puis ensuite, une fois que j'ai mis ça, si, pers si d'autres personnes veulent voir le, ce que j'ai partagé, et ben ils cliquent simplement sur l'image et c'est redirigé directement sur YouTube. Comme ça, ils peuvent voir directement la vidéo. Okay? Bonjour, élève okay? Donc Après, il peut aller commenter sur YouTube s'il veut ou revenir sur Facebook ensuite et dire bah écoute j'adorais cette euh, j'adorais cette euh, cette vidéo par exemple voilà tac voilà j'adore et puis mettre un petit mot en disant euh, euh, merci du partage par exemple ok voilà. et puis euh, euh, d'autres peuvent peuvent euh, répondre enfin commenter également ok voilà. bon là je vais supprimer parce que si je publie des, des choses en disant que je suis génial <laughs> On va me prendre pour un narcissique, ok Voilà, donc c'est ça le, le principe de, de Facebook, hein, c'est qu'on peut vraiment partager des choses, on peut se poser des questions, euh, on peut, et c'est beaucoup mieux qu'un forum. Et c'est parce que euh, c'est beaucoup mieux que j'en vois souvent qui me disent bah tiens, ah oh, j'ai trouvé quelque chose de génial, Bertrand, et plutôt que de publier dans le groupe Facebook, ils m'envoient un message privé parce que je peux très bien prendre par exemple, je prends un exemple, je prends jean josé par exemple. Tac. Voilà. plouf, Voilà. Voilà, je l'ai reconnu. Tac. Tr très bonne image. Bravo. Très bien. Très bien choisi. Très belle photo. Vous voyez que c'est un bon photographe, 1847. Euh, donc je, je peux cliquer sur message et puis je peux euh, euh, je peux envoyer un message à un message à comment à Jean-José, lui dire par exemple. Ah euh, pardon, excusez-moi dire par exemple... C'est un cadeau de ma femme. Pardon C'est un cadeau de ma femme. Ah super, bah voilà. Là, voilà une femme qui a du goût. Un CDL 1847. Génial. Et elle te l'a pris en si bémol Non, en on... G. On... En sol, d'accord. Voilà. En sol. Ah, oh, joli. Voilà. Moi je l'ai pris. <laughs> Oh bah moi je les ai tous je les pris en j'ai pris si bémol par contre mais c'est à l'époque où je testais les, tous les harmonicas j'ai pris toutes les marques de enfin, tous les modèles de toutes les marques non, le seul le seul que j'ai pas que j'ai jamais acheté c'est le euh, le Jönberg. Voilà parce que on n'avait pas tellement dit du bien donc euh, bon finalement j'ai pas et le plus petit que j'ai c'est celui ci euh, lady, euh, comment Le Little Lady, oui. Le <laughs> Little Lady. Little Lady, voilà. Little lady. Qui est jouable, là, évidemment. Il y a combien de notes dessus Pardon Il y a combien de notes dessus bah, Tu as 4 ouvertures, donc tu as combien de notes Une octave. Tu as combien de notes Tu as 4 canaux, tu as combien de notes en tout Il y a 8. Bah oui, 8, 9. ouais. Alors, sauf oui. si on arrive à faire les altérations, les, les overblows, mais là-dessus c'est un peu dur quand même. Hein. Etc. Ok. Bon, voilà. Euh, donc. Euh... Euh, voilà. Donc voilà. Donc, en fait, je, je, je peux contacter euh, Jean-José et puis lui dire, par exemple, euh, voilà la, la vidéo que je viens de trouver, quoi. Mais le problème, c'est que je peux même aussi inviter plusieurs personnes. Voilà. Par exemple, je peux ouvrir une conversation à plusieurs. Je dis ça parce que certains le font, mais en fait, je vais vous montrer pourquoi c'est pas c'est pas très pratique. De, enfin, c'est bien de le faire, hein, mais euh, euh, parfois c'est pas hyper pratique. Alors. Euh, ça a un peu changé ça. Euh, oula, ils ont changé leur, leur manière de faire. Alors, attendez. J'aimerais inviter. Voilà. Invitation par message. Donc on va mettre... Euh, non. Attendez. Comment ça marche ce truc D'habitude. Ah voilà. C'est ça. Donc par exemple, j'invite Carmen. Et j'invite Guy. Voilà. Tac. À la conversation. Et je leur dis, euh, euh, j'invite Jean-José, voilà, et je leur dis, euh, regardez la super vidéo, etc. Ok, bon, je, je leur publie ça, tac, et en fait, qu'est-ce qui va se passer bah ben en fait, euh, tout le monde va, pas obligé de répondre, hein, c'est euh, juste pour l'exemple mais tout le monde va me répondre, ah bah super ta vidéo, et puis ah bah justement je parle, tiens justement j'ai une autre vidéo qui est en rapport, etc. Donc, donc très bien, on discute entre nous, c'est complètement privé, les autres, plus personne ne peut voir notre conversation privée, ça s'appelle ça des MP, des messages privés. Bon, le problème c'est quoi C'est que si jamais je veux euh, retrouver une vidéo que Carmen a publiée, à laquelle Guy a répondu en mettant une autre vidéo, il va falloir que je fasse défiler toute la conversation, et euh, parfois la conversation bah, elle commence... Euh, le lundi 29 juillet, elle se termine le six mois après parce que on n'est pas obligé de, on n'est pas obligé de, de, de répondre au tac, au tac. Des fois, on n'est pas, pas, tout le temps devant notre Facebook. On passe pas notre vie sur devant Facebook, évidemment. Donc, euh, donc, des fois, on voit la conversation en cours. Et si jamais on veut retrouver une info, retrouver une vidéo, c'est vraiment très difficile parce qu'il faut se refaire toute la, toute la, toute la conversation. Moi, j'ai des, des conversations qui, qui durent depuis, euh, depuis des mois avec certains amis. Euh, voilà, bon là par exemple, il y a un auteur avec lequel j'écris des chansons. Et vous voyez là, si je remonte, si jamais euh, on doit remonter, donc on s'échange des vidéos, on s'échange des choses parce que ça nous donne l'inspiration pour écrire nos propres chansons. C'est un excellent auteur avec qui j'ai vraiment plaisir à travailler. Et si je, si je veux re refaire toute la, toute la conversation, mais voyez le temps que ça va prendre. Quoi. Donc c'est pratique quand on est deux ou trois et qu'on on est vraiment entre nous et qu'on travaille sur quelque chose, et puis une fois qu'on a fini de travailler, on dit bon, allez, maintenant, ça y est, on passe à une autre conversation, on n'a plus besoin de revenir, euh, de revenir en arrière, sinon c'est trop pénible. Et alors, imaginez si euh, le groupe euh, ne, ne, ne fonctionnait pas, n'existait pas, et qu'on est obligé de faire des groupes comme ça, mais euh, on ne s'en servira jamais, parce que comment, comment euh, une personne va, va euh, revoir, va retrouver, euh, par exemple, allez, les conversations, des fois, ça... ça voilà, c'est un, un peu loin à charger. Là, on est au 21 juillet 2019, c'est pas très loin. Et pourtant, regardez le temps que je mets, quoi. Donc, c'est pas pratique du tout, en fait. Là, c'est 15 juillet, le temps que ça te charge. Bon, on discute souvent, on a créé des, des paroles. Est on, est, on est en train d'écrire une autre chanson ensemble. Voilà, sur les personnes âgées, super. Bon, voilà. Donc, si jamais quelqu'un veut commenter un, quelque chose, bah, il va falloir qu'il revienne, qu'il retrouve le, la, la conversation. Puis, plus loin, il y a une autre conversation. Bref, c'est un foutoir pas possible. Donc, c'est pas pratique du tout. C'est bien pour pour discuter à deux ou trois sur un sujet, euh, on remonte éventuellement sur les deux ou trois publications, et puis une fois qu'on qu a fait le, le tout, et que ça y est, la conversation est close, et ben on passe à autre chose. Quoi. Et après, on n'a plus besoin de, de revenir sur les conversations d'il y, y a cinq ans, d'il y a dix ans. Okay Donc c'est pour ça que quand vous avez quelque chose à publier, plutôt que de publier en message privé, faites comme je vous l'ai montré, euh, soit vous allez de YouTube et vous partagez sur le groupe Facebook, soit ce que vous pouvez faire aussi, par exemple, je peux très bien aller sur le le par exemple le fil d'actualité de jean josé hein, par exemple voilà que je le sélectionne bon alors par exemple bah tiens euh, qu'est ce que jean josé peut avoir bien publié d'intéressant que je peux mettre sur le, le groupe facebook euh, mais il y un truc intéressant. <laughs> oui, oui, non. Je, voilà, bon, alors, par exemple, ah, voilà, il vend deux billets pour le concert des Stray Cats à Zurich. Ah non, le 12 juillet, dommage, c'est un peu passé. Bon, du coup. Fait, déjà fait, et puis, euh, ça ah oui, et c'était bien Ah, c'était super, ouais. Ah, génial. Ok, alors, donc, par exemple. Bon, alors, par exemple. Ah, je sais pas pourquoi j'arrive plus à. Euh, attendez, désolé. Parce que j'enregistre en même temps, donc des fois il y a quelques petits blocages. On reprend le, le fil de la conversation, donc je sélectionne le compte. Voilà, je vais simplement. Bon. Voilà, on va y arriver. Bon, il y a des drapeaux suisses, c'est normal, Jean-José, suisse. Euh, voilà, par exemple, la photo des Stray Cats, génial. Wow, super <laughs> Excellent. Bon, par exemple, je me dis, bah, ça c'est génial, j'ai envie de, de publier ça sur le groupe. Donc je clique ici sur partager. Tac. Oui, ce groupe, il est génial. Hein. Voilà. Donc je clique sur partager. Et plutôt que partager sur mon journal, je partage dans un groupe. Voilà. Euh, pardon, voilà. Donc, dans un groupe. Qui est évidemment donc, le groupe de l'école internationale d'harmonica. Tac. Et euh, et je vais faire mettre une petite bêtise comme d'habitude. Euh, bah, Jean-José. Donc en écrivant Jean-José, il me propose Jean-José tunnel justement. Donc ça tombe bien. Bah, Jean-José, tu ne joues pas d'harmonica avec eux Je ne te vois pas sur scène. Voilà. OK. Et donc je, je vais sur publier. Et si je retourne maintenant dans le groupe de l'école internationale d'harmonica, voilà, là ça sonne chez, chez Jean-José puisque une notification lui dit tiens il euh, y a quelqu'un qui a publié quelque chose sur vous. Et si je retrouve, je, retrouve, je, re je reviens ici. Tac. Voilà, donc je, je vais sous l'annonce hein, qui, qui est toujours celle qui, arrive, qui est tout en haut. L'annonce qui, euh, qui parle de ce que c'est que le groupe. Voilà. Et on le retrouve aussitôt, Oui, donc c'est hyper pratique, quoi! C'est vraiment facile, et évidemment, je partage ça. Et si jamais, euh, si jamais euh, Jean-José n'est pas d'accord, parce que, admettons, alors voilà, prendre un, un truc, moi je le ferai pas évidemment, mais une personne mal intentionnée euh, euh, partage quelque chose qui n'a rien à voir avec le groupe, ça arrive. Hein, c'est pour, pour ça que moi je regarde les publications très très régulièrement, admettons que quelqu'un dit, bah tiens, je vais sur un n'importe quel groupe parce que je peux faire venir des images, des vidéos d'où de, je veux, du moment que je suis groupe, membre du groupe, j'ai pas besoin de demander la permission au prof pour publier quelque chose, sinon c'est aucun intérêt, le but c'est que vous puissiez échanger entre vous, moi je n'ai pas besoin, normalement j'ai pas besoin d'être là tout le temps pour euh, surveiller ce que vous faites, j'en re, je reviens de, dessus tous les jours pour éviter que euh, une personne, un nouveau membre que je connais pas très bien, parce que ça s'est déjà arrivé, qui publie par exemple, je ne sais pas, une pub pour acheter des lunettes, par exemple. Bon, on va dire, mais quel rapport avec le groupe Rien à voir avec la musique, quoi. Donc ce qui n'a rien, rien à voir avec la musique, moi je le supprime. Mais que. Euh... <laughs> oui, voilà. Ah bah oui, pourquoi pas. Bon, mais, euh, mais euh, par exemple, si effectivement, si je, je publie quelque chose. Et que, ou que la personne ne veut pas que je publie, bah elle peut intervenir dessus, euh, ici, et puis euh, euh, supprimer la publication, c'est tout à fait possible. Okay. Alors après, ce que je peux faire aussi, si, je, si jamais, par exemple, il y a une... Je, je pose une question et, euh, qui est vraiment d'actualité, ou par exemple, tu vois, euh, est-ce que vous voulez avoir des billets pour aller voir les stray Cats euh, y a, Les gens commentent euh, plein de choses. Ah, moi j'aimerais bien, tu me les fais à combien, machin je ne vais pas mettre ça sur le groupe Facebook, hein, pas sur notre groupe, à nous, mais c'est juste pour l'exemple. Et à un moment donné, je dis, ok, bah maintenant le 17 juillet est passé, donc ce n'est plus la peine de commenter. Donc Parce que des fois, que des gens voient, oh, oh, oh tu as des places, justement, ça m'intéresse, et pour quand je pas bien vu la date Des fois, il y en a qui, qui mettent des commentaires, ils ne lisent pas tout. Mais... Donc si je veux supprimer les commentaires, je mets désactiver les commentaires. Voilà. Ce qui fait que bah, on, on peut voir euh, ça, mais on ne peut plus voir les commentaires. On ne peut plus afficher de commentaires. Okay parce que la publication est terminée. J'ai parlé d'un cours qui est terminé ou d'un événement qui est terminé, donc ce n'est plus la peine de le commenter. Ok et là, j'active de nouveau les commentaires, puisque là, on peut le faire. OK Voilà. Donc, tu vois, tout ce qu'on peut faire sur, euh, sur Facebook, sur le groupe. Est-ce que vous avez des questions Une remarque, un truc qui, qui serait intéressant, c'est de montrer euh, comment faire un raccourci. Une fois que tu as trouvé le groupe, pour mmh. ah euh, éviter de devoir chaque fois euh, aller le chercher. Puis... Alors, on reprend le, le groupe. Alors, pour faire un raccourci, alors moi, peut-être que tu connais une autre façon de faire. Moi, la seule façon que je fais, c'est je sélectionne là-haut la barre de recherche. Alors, euh, si je suis sur PC, je fais CTRL-C. Si je suis sur euh, Mac, je fais CMD-C. Et puis ensuite, je vais par exemple euh, sur mon bureau. Voilà. Ah, non, mais moi, je disais raccourci au niveau de la page euh, Facebook. Alors, attends, euh, attends, euh, je, vais, je, je vais au bout de, de ma démonstration, puis après, on, on verra la tienne. Euh, 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 alors attendez, il faut juste que je partage. Oups, pardon, parce que là vous n'allez rien voir. Euh, partagez l'écran. Euh, partager... Oui. Mais attendez, plutôt que... Okay. Non, c'est pas ça. Euh, comment on peut faire pour partager le bureau euh... Bon, peu importe, on va le mettre, va le mettre ici par exemple. Voilà, ah, bon. Tac. Ça, ça n'a rien à voir. <laughs> voilà, tac. On met ça ici. Et là, ça. par exemple. Moi, c'est ce que j'ai fait sur, sur certains documents. voilà, Il y a plein, plein de groupes qui m'intéressent. Et j'en ai fait la liste. Et euh, euh, j'utilise même. Euh, plutôt que de prendre Word, j'utilise OneNote. Je ne sais pas si vous connaissez OneNote. Ça, c'est sur, euh, sur, euh, sur PC, mais ça, je mets toutes les notes possibles, euh, imaginables là-dedans. Alors, je vais vous montrer ça. C'est comme ça que je fais. Bon, là, c'est l'alimentation. Là, c'est par exemple, on va voir... Voilà, attendez. Donc, toutes les... Pardon, ici. Voilà, par exemple, là, pof, création de cours, des choses comme ça, boum et euh, j'ai tout ce qui m'intéresse, euh, plutôt que d'avoir des blocs notes des trucs, des, des papiers qui vont dans tous les sens. Je, je mets, par exemple, là, voilà, création de cours, harmonica, boum, tiens, les métronomes, euh, les pédales d'effets, des choses comme ça. Donc, dès qu'il y a un, un sujet qui m'intéresse, je vous fais... Euh, euh, ah ouais, tiens, vous faites sur les effets harmonica, qu'est-ce qu'on peut trouver, clac. Ah oui, tiens, c'est vrai, il y a tous ces effets-là, très bien. Euh, les pédales d'effet, ah, j'ai envie de m'acheter un métronome, qu'est-ce que je peux proposer à mes élèves comme métronome Donc j'ai repéré toutes les, euh, toutes les, tout ça dans, dans OneNote. Bon, et si par exemple je vais mettre mon groupe Facebook, bah, je peux mettre par là, faire euh, une nouvelle page... Moi, moi j'ai une page qui est complètement fichée là. T'as quoi J'ai une, une page qui est, qui est bloquée sur mon ordinateur. C'est normal Parce que tu es en train d'expliquer plein de choses, mais moi je vois que euh, premièrement, E4, E5... Ah bon Et après deuxièmement, c'est Oui, d'accord d'accord d'accord, j'ai compris. Est-ce que les autres voient la même chose ou pas Oui, ah bon oui, quand même. Ah bon bah alors, désolé, alors on va on va re... je vais repartager l'écran, désolé. Euh... Là, vous voyez quelque chose ou pas de différent. Ah oui, c'est différent. Ah d'accord, d'accord. Oui, c'était sur un document euh, Word qui n'a rien à voir, c'est une partie d'échec. <laughs> <Donc, rire> bon, alors, Très bien. Donc euh, là, c'est l'outil OneNote. Donc c'est juste pour vous montrer que, par exemple, je mets les, les groupes euh, harmonica. Tac. Et là, j'insère un lien. Voilà. Donc, là, je mets le groupe, le groupe de l'école. D'harmonica. Okay. Voilà. Donc, si jamais je veux le retrouver, je clique dessus et j'arrive directement dessus. Donc, ça, c'est une, une manière de faire. Et Jean-José, tu en connais une autre Oui, mais je ne trouve que comment faire. <laughs> D'accord. Alors, euh, comment est-ce qu'on pourrait faire autrement Ah, si, c'est marqué sur les côtés, il y a, il y a marqué recherche des groupes. C'est facile à retrouver le groupe de l'école. Oui, c'est facile à retrouver, mais. Il y a, il y a un truc pour, euh, pour ajouter. Euh... Sur la page d'accueil, sur ta page d'accueil, de rajouter. Ah oui, alors là c'est différent. Là je sais pas, je sais pas Alors attends, peut-être que de toute façon il faut prendre le. Ah oui, donc en fait ce que j'avais pas dit c'est que si vous mettez ça sur un document Word, donc c'est donc Ctrl V ou, ou, ou Commande V. Euh, pardon, Ctrl C ou Commande C pour copier l'URL. L'URL c'est l'adresse internet et Ctrl V ou Commande V pour euh, le, le coller euh, quelque part. Euh, maintenant, est-ce qu'il y a possibilité de de mettre ça direct? Si, si, si on colle justement l'adresse URL et qu'on la colle sur le bureau, le raccourci ne marche pas pour arriver directement? Ah si si Alors, si, si bah, c'est si, parce que j'avais du mal à partager mon bureau. Euh, mais oui, c'est exactement pareil. Oui, c'est exactement ça. Oui. On peut le faire comme ça. Alors après, peut-être que euh, euh, je sais pas, peut-être que dans le profil, on, éventuellement, on peut on peut afficher le raccourci, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est si à ça que tu pensais, euh... euh, Jean-José. Non, en fait, euh, si, si tu... Si tu vas dans ta page d'accueil... Oui Si tu veux le petit logo, en fait, le... C'est pas ça Si tu vas sur ta page d'accueil, à gauche, tu as tous les, tous, tous les raccourcis. Et puis ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Oui, effectivement. Donc... Euh... C'est quand tu vas dans, dans le groupe, tu peux voir tous les groupes dont tu fais partie. Les groupes, les groupes dont vous êtes membre. Voilà. Donc là, je suis membre de, de tous ces groupes-là. On a même fait un groupe pour les membres de la famille, tu vois, c'est sympa. Euh, tac. Euh, alors après, je ne sais pas. Après, le... Bon là, j'en ai beaucoup, hein. évidemment. C'est comme... J'utilise beaucoup Facebook. Bon, voilà. Mais euh, après euh, c'est peut-être pas... Alors, normalement ce, ceux que vous utilisez le plus souvent ils sont, ils sont en haut quoi. Par exemple famille, bah, évidemment quand on n'est on jamais, enfin euh, c'est très, très rare qu'on soit tous en, tous ensemble, c'est pas qu'on soit une grande famille, mais y a beaucoup de gens qui voyagent. Et ben bah, en fait euh, je sais que famille, bah, je le trouve tout de suite parce qu'il est en haut de enfin c'est un groupe que j'utilise quasiment chaque jour. Ça c'est des groupes de travail. Euh, bon voilà, ça c'est moins du groupe de travail. Chanson française, c'est un groupe que j'utilise souvent aussi. Compositeur ouais, ouais, amateur aussi. Bien, sur, euh... Donc ça on le trouve, on le trouve en haut. Ouais. Donc ça aussi, une, une fois qu'on fait partie d'un groupe, ça c'est les groupes que je que je gère en tant que modérateur. Hein, voilà. Donc c'est pareil, le groupe que ouais, je gère... C'est pareil, on voit rien du tout de ce que tu fais là. Ah bon euh, Bertrand, euh, Carmen, Jean-José et Guy, je suis obligé de vous quitter. Ah, bon. Bonsoir, Bernard. Donc bonsoir, merci pour bonsoir. cette euh, présentation. Euh, bah, je, je t'en prie. Donc, bientôt sur le... Oui. De toute façon, je t'envoie le... Le, le lien vers la diffusion. D'accord. Voilà. Merci beaucoup pour euh, tous. Je t'en prie. À bientôt. Bonne ah, soirée. Merci. Salut Bernard. Salut. Merci. Vous voyez là. Ah voilà. C'est bon. Donc, alors je disais donc, euh, donc sur la partie gauche, les groupes dont, que je gère en tant que modérateur, c'est le même principe que pour les groupes dont je suis membre. Donc en fait, ceux qui sont les groupes qui sont euh, tout en haut, ce sont les groupes dans lesquels je vais le plus souvent. Donc évidemment, le groupe de, de l'École internationale d'harmonica, bah, c'est celui évidemment, que dans lequel je vais le plus souvent. Okay Et puis après, bon, voilà, par exemple, il y a des chansons françaises, euh, le groupe des plumes, ça c'est des auteurs, euh, euh, un groupe d'auteurs de, de chansons. Ça, c'est les anciens élèves de mon école euh, euh, quand j'étais au collège, quand j'étais euh, à la fois collégien et musicien. Voilà, savoir écrire une chanson, c'est un autre groupe, etc. Bon. Donc, tout ça, c'est Objectif Piano, c'est un autre groupe, le groupe de le, le, le Mel et machin. Donc, tout ça, c'est les groupes que j'utilise le plus souvent. Et après, si je veux euh, voir ceux que je vais se rafficher plus, bah là, j'ai des, des groupes que vais, euh, dans lesquels je vais euh, euh, un très, beaucoup, beaucoup moins souvent. Quoi. Okay, voilà. bon, par exemple, euh, bon, la formation complète, ça, c'est un groupe que j'avais fait. Euh, il y a un petit moment, mais finalement, que j'utilise plus du tout parce que je trouve beaucoup plus simple d'avoir un seul groupe pour tous les élèves. Parce qu'avant, j'avais fait un groupe Facebook par euh, formation. C'était pas tellement intéressant. Et puis, donc, ça, c'est les groupes que je gère. Et dans les groupes euh, dans le, dont je suis membre, mais que je gère pas, bah, par exemple, euh, euh, voilà, Harmonica Events, c'est des événements autour de l'harmonica, mais c'est mondial, c'est international. Bah, Ce n'est pas moi qui gère le groupe. C'est-à-dire que c'est. C'est pas moi qui vais euh, supprimer des messages s'il y a des choses qui ne correspondent pas à l'esprit du groupe. Euh, c'est pas moi qui vais inviter des membres, des choses comme ça. Okay? C'est ça c'est un groupe dont je fais partie mais que je ne gère pas moi-même. Mais pareil, je vois aussi, je le vois aussi dans la partie gauche, euh, dans la partie accueil partie gauche et euh, je vois toutes les, tous, les, tous les groupes dont, dont je fais partie. Okay? Ok, donc euh, voilà, c'est ça le. bon. Je connais pas d'autres manières de faire, mais je pense qu'avec tout ça, normalement, il y a, y a de quoi faire. Puis si vraiment euh, vous avez du mal à, à retrouver le groupe, bah au pire, vous m'envoyez un petit message euh, je suis paumé, je sais plus comment faire, et puis je vous remets le, le lien. C'est pas non plus. Euh... Hein. Et, et par contre, euh, oui. euh, Bertrand, pour euh, moi qui, ai deux, euh, qui ai deux mondes, oui. est deux groupes, est-ce que je pourrais pas supprimer euh, celui que je vais pas du tout parce que j'arrive même pas à trouver le numéro de j'arrive plus à trouver le numéro le, 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 le mot de passe pardon ah bah ça alors ça il faut voir avec vous avec Facebook parce que euh, je ne sais pas euh, euh, moi j'ai enfin, pendant un temps effectivement j'avais deux comptes aussi parce que euh, euh, ce que je voulais faire c'était euh, euh, c'était distinguer euh, la partie euh, publique de la partie privée, parce qu'en fait, je, je publie énormément de choses euh, pendant très longtemps, enfin, j'ai publié énormément de choses privées, enfin, qui n'étaient pas forcément privées, qui pouvaient être publiques, mais qui n'avaient rien à voir avec, euh, avec mon métier d'enseignant. Et euh, j'ai remarqué que ça n'est pas parce qu'il y a des gens qui, euh, qui participaient à des conversations et les élèves qui participaient en même temps, il y a des gens qui s'engueulaient ou qui engueulaient mes propres élèves, ce que je supportais pas du tout. Je pas bah, tu pourrais faire attention, ça en à moi, mais bon, le gars ne pouvait pas le savoir, quoi. Il y avait vraiment il y avait des gens qui se sont dit, mais bah, attends, mais euh, comment tu peux avoir des amis pareils, Bertrand bah, je ne sais pas, des vrais amis, mais oui, mais euh, ils, ils commentent. Enfin bon, c'était un sac de nœuds, pas possible. J'ai eu plein d'histoires avec ça. Je me suis dit, bon, et stop, plus, plus jamais. Je... Alors soit pendant un temps, j'avais euh, dit aux élèves, bon, allez, on... on... Je vous mets plus dans les amis, je vous mets juste dans le groupe, mais on sera plus en mieux ensemble parce que sinon ça va être une pagaille et pas possible. Mais en fait, si maintenant j'ai remis tout le monde en amis, pourquoi bah Parce qu'il y a la possibilité, quand on, comme on l'a vu tout à l'heure, quand on publie quelque chose, de dire, bon voilà, je veux que ce soit publié à telle personne, là je ne veux pas que les élèves le sachent, ou je veux pas qu'il n'y ait que les élèves qui le sachent, mais pas les autres, etc. Bon. Et puis finalement, ce que j'ai fait, c'est encore plus simple, c'est que je me suis inscrit, c'est pour ça que je me suis inscrit à plein de books, à plein de groupes. pardon. Si euh, j'ai envie, par exemple, de faire partie d'un groupe qui parle de politique, eh ben, quand je publie quelque chose qui rapporte la politique, c'est uniquement dans ce groupe-là. Et je ne partage pas avec les élèves, avec la famille, avec euh, publiquement, parce que tout le monde, voilà, si je commence à mettre de la politique euh, là-dessus, eh ben, tout le monde va s'en mêler et ça va foutre la bagaille et les gens vont s'engueuler, etc. Bon. Si les gens s'engueulent dans le groupe qui dévolue à la politique. Bah ça nous regarde, parce de toute façon, on s'est inscrit pour ça. Puis si la personne, ça, gêne, ça la gêne vraiment de voir qu'il n'y a pas une bonne ambiance, bah il quitte le groupe, c'est pas très grave. quoi Mais tu on ne perd pas des amis, on perd pas des élèves, des choses comme ça où il n'y a pas des gens qui se fâchent. quoi Et je me rappelle une, une personne qui un, enfin s'intéressait à prendre des cours avec moi, qui est euh, qui arrivée sur mon profil Facebook et j'avais partagé beaucoup de choses qui n'étaient pas en rapport avec la musique. Et qui m'a dit, mais. Euh, Enfin, de, de quoi tu parles, quoi Attends, t'es musicien, t'es pas musicien. Ben, j'ai attends mais j'ai le droit des musiciens. C'est pas parce que je suis musicien que je fais, euh, je, je fais que de la musique. Et euh, ça, ça m'arrive aussi d'avoir des relations sociales et puis de m'intéresser à plein de choses qui ne font pas partie de la musique. Mais comme, euh, comme tout était public, euh, bah, il se dit, mais pff, je sais pas, c'est un peu, c'est un peu tout Il y a un peu, un peu trop de choses. Donc, plutôt que d'avoir deux comptes, un compte privé, et un compte public, euh, maintenant, je m'inscris dans tous les groupes qui m'intéressent. Par exemple, je m'intéresse à, à la lumière. Par exemple, je m'intéresse aux, aux sciences. Je m'intéresse au cinéma. Je m'intéresse à la politique. Je m'intéresse aux échecs. Je m'intéresse aux jeux de société. bon bah là, j'ai des groupes différents et comme ça, les choses se mélangent pas. Donc, ça m'évite d'avoir deux groupes, deux, deux comptes. Et pendant un temps, effectivement, j'avais un, un compte qui s'appelait Hermo Chopin, je crois. Et euh, mais je crois que pff, je sais même pas s'il si existe encore. Mais en fait, c'est assez. Euh, euh, pff, voilà, je sais pas si j'ai encore ce, ce compte là. Facebook Armo Chopin, ça m'étonnerait. Et, euh, et en fait... Euh, non, je ne l'ai plus. Bon. Non, non, c'est le même que... C'est le même que d'habitude. Donc, euh, euh, alors je sais que Facebook, ils n'aiment pas trop qu'il y ait des doubles comptes parce que ça... ça c'est vraiment le double compte. C'est généralement c'est quand même euh, utilisé par des gens qui veulent se faire passer pour quelqu'un d'autre. Euh, donc des, des gens, des malfaiteurs, des gens, des gens comme ça. Donc je sais que généralement quand il y a la même identité qui a deux comptes différents, euh, Facebook a tendance à, à en supprimer un des deux, voire les deux quoi. Donc il se peut arriver que je pense qu'il vaudrait mieux que tu supprimes un de tes comptes ou que tu envoies un mot à Facebook euh, disant bah je, je me rappelle plus mon mot de passe donc tu dois avoir tu dois avoir quelque chose ici. Que, parce que moi, je l'ai marqué sur mon, sur mon petit truc, quand il m'avait posé des questions. Oui. et J'ai bien marqué que je voulais qu'il me donne un mot de passe, mais il ne me l'envoie pas. Donc, nope. ce compte-là, je ne peux même plus l'ouvrir. Non, bah, laisse tomber, ils finiront par le fermer. Parce que ah bah, je pense ce que c'est. En, en... Ouais, bah, tant mieux. Bah, je pense que c'est voulu parce que c'est dit, oh là là, mais cette personne, elle a deux comptes, c'est louche, euh, donc ils ne veulent pas, quoi. Mais non, et c'était pas, pas ça, c'était parce que j'étais en vacances, et puis en vacances, ouais, bah, celui-là, je... je me suis, suis trompé dans, le... dans le mot de passe, et puis voilà. Et puis... Non, mais bah, d'accord, mais je ne dis pas que tu as de mauvaises intentions, évidemment, mais euh, ouais, chez, fait... chez... chez Facebook, ils ne peuvent pas le savoir, quoi. Donc, euh, oui, voilà, comme la plupart des... Parce que moi, je, quand je vois les, les personnes qui me demandent, euh, qui me demandent en ami parfois, euh, c'est pas triste. Hein, euh, euh, J'en ai, ai, ai au moins, au moins une, ou deux, une ou deux par jour. Mais il y a vraiment des comptes qui, qui n'ont... Enfin, c'est le but, c'est vraiment de... Te, il te... y a beaucoup de faux comptes qui existent. où le, le, le but, c'est uniquement de... Uniquement de, de te faire... Euh, euh, de te faire, comment dire, euh, sortir de Facebook pour aller ouais. des sites pornographiques ou des choses comme ça, quoi. Ou des sites de violence, ou j'en sais rien, quoi. Et donc, euh, et donc euh, ça, euh, le Facebook, ils sont très regardants là-dessus, quoi. Donc, si on commence à voir qu'il y a une personne qui, oh là là, mettait un, un coup, il s'appelle Marc, le, le, le coup d'après, il s'appelle Sandrine, j'en sais rien, enfin bon. bah ben là, on commence à se poser des questions, quoi. Et même s'il a deux... deux s'il vraiment le même prénom, le même nom, euh, c'est pareil, on pose... Des... Alors, il peut y avoir des... des... des, des... Des, comment, des des homonymes hein, ça peut arriver mais mais euh, mais, euh, mais, mais deux comptes qui soient vraiment exactement exactement les mêmes Moi, par exemple vous avez un qui s'appelle Bertrand Carbono ici bon ben, je pense que c'est son vrai prénom et son vrai nom de famille quoi il, il est pour rien il, avait, donc, il a il a le plus beau prénom le plus beau nom du monde bon ben, c'est il peut pas d'ailleurs j'ai demandé en ami pour voir qui qui, qui était exactement Toujours amusant, bon voilà. Donc il s'appelle effectivement Bertrand Carbono. Il a l'air, il a l'air d'une vraie personne, entouré de sa famille. Euh, il publie pas de trucs pornographiques, je sais pas quoi. Il, il publie, il publie presque rien. Euh, il a juste changé sa photo de profil, mais euh, il partage qu'avec les gens apparemment euh, qu'il connaît bien. Donc euh, euh, bon voilà. Donc je pense que c'est un vrai compte, quoi. Okay Donc euh, mais bon. Donc si on commence, si on commence à voir qu'il a qu'il y a, qu il y a euh, deux deux comptes qui s'appellent Bertrand Carbonneau, mais où la, les photos sont exactement les mêmes, etc. Ça peut être préjudiciable, donc faut faire attention à ça. Voilà. Voilà. Ok. Donc je pense que le mieux c'est que tu laisses tomber le compte que tu utilises plus, et puis il finira par disparaître, comme le mien, euh, mon compte Armo Chopin, euh, il a fini par disparaître aussi, toi, je ne retrouve plus. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, euh, on a déjà fait une heure et demie. Est-ce qu'il y a encore des, des questions ou est-ce que ça va mieux pour tout le monde Non bon C'est Je regrette qu'il n'y ait pas eu plus de, de monde qui soit, qui soit venu. Je ne sais pas ce qui ah, s'est passé, lui. parce que vous étiez 14 inscrits quand même. donc... Il y a 10 personnes qui ouais. sont... Qui sont inscrits comme ça Ils ne sont pas venus. Bah ils ne sont, sont pas, pas venus. Pas Alors je sais pas, pas, pas si... Comme ils ne m'ont pas envoyé de message pour me dire j'arrive pas à me connecter ou quoi, parce que ça n'a pas arrivé quand on... Je sais pas. Mais 10, ça euh... fait... 10, 10 absents, ça fait beaucoup. Bon, voilà. Enfin, si ceux qui vont... De toute façon, je vais envoyer la rediffusion à tout le monde. Ceux qui vont la, la rediffusion en ce moment me, me diront euh, peut-être pourquoi ils n'ont pas réussi à... Ou alors, ils ont oublié la date. Euh, ou alors, ils n'ont pas réussi. Je ne sais pas. Mais bon, il ne fallait pas hésiter à m'envoyer un mot. Bon, ben bah, voilà. Et euh, vous avez des questions particulières euh, sur tout ça ou pas ah, Je voulais juste bah, qu'on termine là-dessus. Euh... Un petit témoignage de chacun de vous, comme c'est pas nombreux, ça va aller vite. Mais qu'est-ce que vous pensez de tout ça Qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation de Facebook du groupe Facebook Est-ce que c'est vraiment utile pour vous Est-ce que vous pensez que c'est super superflu Est-ce que vous pensez que ce serait bien qu'il y ait plus de monde Ou est-ce que voilà, est-ce que quel est votre ressenti, quel est votre vécu par rapport à par rapport au groupe Facebook Il faudrait que de ait plus qu'il y Facebook. Certainement, ça serait profitable, c'est sûr. D'accord. Ouais, c'est sûr, Alors, plus, plus il y a. Je vais te poser une question. Oui. Messenger, Messenger, ça fait partie donc, de Facebook. Oui. Oui, oui. Donc, bon, on, peut, on peut communiquer également sur Messenger. Ah, complètement, oui, bien sûr. Après, vous pouvez aussi communiquer entre vous, etc. Tout à fait. Tout à fait oui. Et, et comment que ça se passe Alors, ce, ce Messenger, je pas trop, trop... Euh, D'après ce que je sais, Alors, moi, je n'ai pas, pas de smartphone. j'ai qu'un téléphone portable. Donc, euh, mais je sais que les... Oh bah, ce n'est pas, pas juste les smartphones. Hein. Ah, je, je peux l'avoir sur le, sur le Facebook aussi Non, mais bien sûr, bien sûr. Non, non mais ce que je veux dire, c'est que ça fonctionne aussi sur les smartphones. C'est qu'en fait, par exemple, j'ai des... Euh, oui. Oui, bien sûr. Oui, en fait, ce que je veux dire, c'est que parfois je commence des conversations, euh, par exemple avec euh, Timothée, dont enfin, j'ai partagé un tout petit peu le, la conversation rapidement, ce n'est pas pour que ce qu'on a fait ensemble, mais qui est un auteur à qui, qui j'écris beaucoup de chansons. En fait, on a des fois on commence une conversation et puis il me dit bah, tiens, on, on continue la conversation dans les transports, etc., pendant ton voyage et euh, via Messenger. Je dis bah non, je ne peux pas, moi je te rappelle que je n'ai pas de smartphone, je lui qui a. Un, un vieux téléphone Nokia enfin un truc que, que mes parents m'ont offert mais j'ai pas même pas internet là dessus je peux juste envoyer des SMS appeler et j'ai l'heure et je peux prendre des photos que je ne peux pas partager d'ailleurs mais bon enfin, c'est pas grave donc euh, et puis j'ai deux trois jeux dessus mais je m'en sers surtout pour envoyer des SMS parce que comme j'ai des, des problèmes avec les, les ondes GSM ça me ça me brûle la, la tronche à chaque fois je suis très sensible aux ondes GSM bah ça comme je suis assez loin, bah ça va. Pour leur envoyer des SMS, c'est assez pratique. Je fais ça pour les amis. Bon. Donc, euh, mais je n'ai pas, pas, euh, pas Messenger dessus. Mais je sais que Messenger, ça fait le lien entre Facebook et euh, une... c'est aussi une application smartphone. Donc on peut continuer des conversations qu'on commence sur Facebook, qu'on continue sur le smartphone et qu'on re... plus on revient sur Facebook. Donc si vous êtes amis bien. les uns les autres, vous pouvez communiquer comme ça. Hein c'est un système de messagerie instantanée. Comme... Oui, ouais, c'est ça, exactement. Oui. Voilà. oui. Ah, oui. Oui, il y a WhatsApp et d'autres. Oui, voilà, exactement. Oui, WhatsApp ou d'autres. Moi, je n'ai rien de tout ça, je les connais moins, mais c'est effectivement possible. Oui, mais quand c'est marqué message privé ou en Messenger... quand tu veux envoyer un message vraiment personnel à une seule personne, tu dois utiliser Messenger. Souvent, les gens, ils publient un truc d'intérêt général sur Facebook, style euh, quelqu'un qui veut vendre un, un produit. Puis après, euh, euh, et après, bah, ils mettent euh, ceux qui veulent faire une offre euh, en message privé. D'accord. Okay. Merci Jean-José. C'est euh, Donc, un exemple, hein, un donc ton témoignage, Jean-José, euh, sur l'utilisation du groupe euh, Facebook les groupes de l'école Je trouve que c'est bien. Quoi. Euh, utiliser Facebook euh, dans ce contexte et puis avec cette, euh, cette manière de faire, je trouve que c'est positif. D'accord. Très bien. Et Carmen ah ben Moi aussi, je trouve que c'est très positif. Bon, d'accord. Je sais que tu bon, publies. Moi, j'aime beaucoup maintenant. Euh, ça plaît peut-être à ma famille, mais bon, moi, j'aime bien. Non, mais bon, la famille, <laughs> c'est moins grave. Mais, mais euh, euh, donc, vous êtes tous d'accord que. Ça... Pardon. excuse moi Je voulais dire que je, je ne publie pas des choses sur moi. Hein. Je raconte pas ma vie non plus. Moi, euh... Non, mais ça, de temps en temps, je vois que tu, tu partages sur tes voyages, tu partages des paysages qui sont pas forcément en lien direct avec la musique, mais c'est sympa aussi parce que ça permet de, de rester en contact. Parce qu'on pourrait dire ah attention euh, si j'étais un modérateur euh, comme ça je pourrais dire attends attends elle partage euh, un paysage avec des fleurs c'est pas de la musique je supprime mais non c'est ça fait aussi partie de, de l'aventure humaine moi j'ai toujours considéré que une école quelle qu'elle soit c'est aussi une aventure humaine hein, parce qu'on est on est quand même pas mal de temps ensemble et euh, moi, je me rappelle, Enfin, on a tous des souvenirs. Enfin, j'imagine tous des souvenirs de nos profs, de, de, de primaire, de, enfin, de, de collège, de, de, de lycée, d'université, si on y est allé. Euh, nos, nos copains d'armée, euh, on se rappelle ça. Euh, ou on se rappelle nos colonies de vacances. On se rappelle des moments où il y a eu des groupes et on a partagé des choses ensemble, quoi. Et ça nous laisse des souvenirs. Et puis ça, ça nous donne l'expérience et c'est enrichissant. Et pour les écoles de musique, c'est pareil. Il y a plein, plein de, de gens que quand je vois, par exemple les les ateliers d'écriture de chansons que je fréquente depuis plusieurs années euh, avec euh, très bons auteurs, ben on se voit entre nous quoi. Et puis de temps en temps, on se renvoie une carte postale, de temps en temps on, on va boire un pot et puis euh, et puis on n'est pas, on se voit pas à chaque fois pour écrire des chansons. Ça nous arrive aussi de, de, de nous voir entre nous tout simplement pour, euh, en, par amitié. Quoi. Donc c'est important aussi. Et c'est vrai que le, le groupe Facebook qui permet aussi de faire ça, de dire bah, tiens je suis en voyage en ce moment, bah tiens je pense bien à vous et puis euh, et puis mettre un mettre un petit mot, c'est vachement sympa quoi. Donc, ça, je trouve ça vraiment bien. Quoi. Et c'est ça qui fait que ces, ces cours sur Internet, ce n'est pas simplement des cours, et puis on a pris nos cours, et puis après. Il y en a qui font ça, et s'ils veulent faire ça, très bien. Moi, je, je force personne, mais. Mais c'est vrai que le, le fait de, de, de se retrouver en, entre nous, et entre, en tout cas que vous, vous. Enfin, je dis entre nous, mais que moi, je ne suis pas là tout le temps, mais vous aussi vous retrouvez entre vous. Et même, pourquoi pas vous lancer des invitations pour vous rencontrer euh, vraiment de visu, quoi. C'est arrivé plusieurs fois. Je, pendant un temps, il y avait trois élèves qui habitaient Grenoble et qui se sont rendus compte qu'ils étaient. Bon, Grenoble, c'est une grosse ville quand même, mais, mais qui se retrouvaient presque, bah, pas dans le même quartier, mais très proches les unes des autres. Ils se sont dit, mais pourquoi est-ce qu'on communique toujours par Internet On peut aussi se créer des événements alors c'était pas sur le groupe Facebook, je, je l'avais pas créé à l'époque, mais ils avaient réussi à, à, à organiser tous les mercredis euh, après-midi, bah, ils se retrouvaient pour jouer l'harmonica ensemble. Bah, c'est fabuleux, quoi. On ne peut rien trouver de mieux. Donc euh, c'est grâce à, à l'école d'harmonica et à Internet qu'ils ont réussi à se, euh, à se rencontrer et puis pendant un temps ils se voyaient, ils se voyaient régulièrement. Donc le fait de, on peut aussi dire, bah tiens, voilà, moi je suis, euh, ah bah tiens, en ce moment je suis en voyage et il y en a pas deux, de, trois personnes là dans le coin. Euh, euh, Qu'on euh, qu pourrait voir et puis organiser un événement entre vous, pourquoi pas? Il hein. ne faut, faut, faut pas que le, le but, c'est vraiment que, que bah, euh, vous fassiez plaisir, mais que tout, tout ne doit pas forcément passer par moi. C'est comme une association. Euh, euh, si J'ai connu une association, moi, j'étais président pendant 4 ans, où on échangeait beaucoup de services entre nous, et euh, l'ancienne présidente. Ben, en fait, elle était omniprésente, omnisciente, celle qui, qui contrôlait tout. Donc, chaque fois que, que les membres voulaient organiser quelque chose entre eux, il fait d'abord qu'elle demande, qu demande la permission à la présidente. Je non, mais non, ce pas une association. de, C'est pénible, ça, c'est une dictature. C ça n'a rien à voir avec. Non, non, c'est organiser des choses entre vous. Donc, moi, je peux participer comme je peux, très bien ne pas être au courant, etc. Et donc, le groupe Facebook, il permet aussi de faire ça. Quoi. Enfin, on a vu il y a vraiment énormément de choses qu'on peut faire au niveau des publications, des partages, des événements qu'on peut créer ensemble, des, etc., des questions qu'on peut se poser les uns les autres. On peut avoir des restrictions, des « voilà, je partage avec tes personnes, mais pas avec de l'autre ». Enfin, on peut vraiment faire ce qu'on veut, quoi. Et du coup, c'est vraiment, vraiment riche. Moi, je, je sais qu'il y a une, un groupe de travail dont, dont je fais partie depuis 6 euh, bah, euh, ans maintenant, Puisque en fait, c'est une formation que j'ai prise, euh, c'est le même principe. en fait J'ai pris une formation et j'étais euh, accueilli dans, dans le groupe Facebook. J'étais un des, un des premiers, un des pionniers de, de ce groupe. L'objectif le, le, de, de cette formation, c'est d'apprendre à créer des formations et, euh, et à les proposer en ligne. Parce que quand j'ai commencé ça, moi en 2013, bon, j'avais créé le, la première mouture du site ArmoïdiateJazz.com mais euh, j'étais loin de savoir euh, comment créer des formations en vidéo, comment les diffuser, comment se faire connaître, comment trouver des élèves. Je connaissais que Jim. Et en fait, euh, et donc j'étais formé par, un, par une personne là-dessus. Et donc j il m'a, inscrit dans le groupe Facebook. Mais depuis, il y a peut-être 200, 300 personnes dans ce groupe. Mais il faut voir tout ce qu'on échange. C'est extraordinaire. C'est extrêmement riche d'informations. J'y vais pas tout le temps parce que bon, maintenant, euh, ça y est, j'ai moins besoin de moins besoin des cours de cette formation, mais j'y vais quand même de temps en temps, et euh, même de, de, de temps en temps pour poser des questions. Et il y a plein, plein de choses comme ça qui sont euh, enfin, énormément de, de choses. Et il y a même une, une barre de recherche, on peut retrouver des conversations facilement, tac, et même des fois des choses qui viennent de, de quelques années. Je, au fait, j'ai posé une question là-dessus, je ne me rappelle plus la réponse, et boum, je retrouve aussitôt. Donc c'est une espèce de, de bibliothèque vivante euh, extraordinaire avec énormément, mais des milliers, des dizaines de milliers de ressources, des choses qu'on partage, des avis, etc., des enquêtes et compagnie, des sondages. Et c'est vraiment, vraiment très riche. Quoi. Donc ça vaut vraiment le coup de. De, de faire partie de ces groupes-là. Donc, le, le groupe euh, Envie de prendre euh, un bon départ à l'harmonica si vous n'êtes pas encore élève, ou euh, le groupe euh, de l'école internationale l'Armenica, si vous êtes déjà élève. Et franchement, ça vaut le coup. Alors, évidemment, pour le moment, il y a quelques échanges, il n'y a pas énormément parce que vous n'êtes pas très nombreux. Mais comme il y a euh, 125 élèves par an, euh, s'il si y a euh, 100, 100 personnes qui, qui intègrent le groupe Facebook, là, ça va devenir vraiment intéressant parce qu'il y aura plein, plein, plein de, de sujets. Et puis, on peut inventer d'autres choses. On peut inviter, pourquoi pas. Euh, Inventer, pourquoi pas, des, des morceaux à plusieurs ou, euh, ou des compositions à plusieurs. Enfin, y a, vous pouvez vraiment vous, vous amuser à faire plein de choses entre vous. Quoi. Même si vous n'avez pas un gros niveau, euh, franchement, il y a, y a plein de choses à faire. Il y a vraiment, vraiment plein de choses à faire. Quoi. Je vous parle d'expérience. <laughs> voilà. Bien, bien, bien. Bon, bah, écoutez, euh, bah, merci de votre participation et de votre attention. Euh, donc, donc, nous, on se retrouve... Bah nous, nous, nous là, euh, les, les, les habitués et moi-même, on se retrouve demain, il me semble. Voilà pour la pour l'agora. Demain, oui. pour la nouvelle la nouvelle agora. Pardon? Tu dis ouais je pourrais peut-être pas être là avant, parce que après c'est dans deux semaines, le... enfin, demain et après tu dis dans deux semaines. Euh, il, me... il me semble, le temps, je vais vérifier parce que, comme on a eu des, oui. des, des séances de rattrapage. Ah, moi, je ne serai pas là, c'est pour ça que je ne suis Voilà, alors je... Bon, là, c'est. Euh, ouais, demain, je suis là. Ouais, demain, il y en a une. Non, après, c'est le 6, donc c'est la semaine suivante. Alors, donc, je serai pas là. D'accord, bon, ok. En fait, à partir du 6 août, on reprend la. Le, le cycle toutes les deux euh, semaines le c'est parce qu'en fait la... je ne pas là je reviens le... Euh, après le 15 ou le d'accord donc tu seras là pour le 20 là. Bon, okay. tu es encore en vacances oui <laughs> bon on va encore recevoir <laughs> des photos <laughs> ok bon allez euh, bah, bonne fin de soirée et puis bon, à, à demain pour oui. ceux qui, qui sont là Merci. À vous de tout ceci. Au revoir. À demain. À demain. Oui. Au revoir. À demain. Revoir. À demain.